Pali papuelli Comment ça va les petits poulets des brames Allez je suis en train de faire le petit coup de va de commencer On est parti Bon allez mon pas les pieds bien sûr et bonne année <laughs> <rire> Yo. <rire> Comment ça va Est-ce que vous buvez du pâté à la paille Comment ça, non? Oh, ça recommence déjà, Stanos. Quelle angoisse. J'arrive pas à savoir si c'est une vraie question. Juste pour savoir, Stanos, réponds-moi sérieusement, s'il te plaît. C'est une vraie question ou t'es un troll? <laughs> oh putain, le coiffeur, arrêtez! Oh, vous avez le droit de vous moquer. Il m'a raté, ce bâtard. C'est pas mon coiffeur habituel, j'ai fait Ah, pas de problème! Il m'a fait la Coupe des Footballeurs! Putain, c'est terrible, il me prend pour qui J'ai 35 ans, mon ref euh... C'est quoi cette coupe de bâtard Il m'a tondu sur les côtés, il m'a laissé mes cheveux haut Non, mais la coupe, elle est à la mode, elle est bien, il, est para... il a pas raté, mais c'est pas ça ma coupe Non, mais par contre, la barbe est nickel. La barbe, c'est une masterclass. Non, la barbe, c'est nickel. Par contre, la coupe, euh, nique ta mère en fait, c'est pas ça ma coupe. J'ai trop le seum. Allez ça, on dirait, on dirait un mec qui essaie d'être beau. Allez ça, j'ai envie, j'ai envie d'aller en boîte de nuit. C'est la coupe Footix. Mais c'est une catastrophe en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de merde On fait quoi là On va au stade On va en boîte J'ai trop le seum. Qu'est-ce que c'est que ça là Allez ça là. Y a plus de poids, y a plus de cheveux. Et pourquoi y en a là et pas là Ok, expliquez-moi. Pourquoi pas, pourquoi pas là Et pourquoi là Ok, c'est quoi l'explication C'est quoi le projet là Il me dit, je vous mets un truc dans les cheveux, je fais bah non. Il me fait, ah bah c'est mieux quand même, je fais bah non. Il voulait me mettre du gel et tout Il m'a mis un truc sur la barbe Mon chat, il a failli m'attaquer il, il, il me mettait des coups comme ça parce que ça sentait bizarre. Il me regardait comme ça là à 3 mm, il avait une tête à faire peur là, le chat il était en mode C'est ma barbe. Non, je suis désolé, c'est une catastrophe là. En plus je sais pas, c'est une coupe de sportif, sur un gros ça va pas du tout. Il faut des coupes pour les gros et des coupes pour les pas gros. Genre là on dirait vraiment qu'il y a un problème quoi tu vois. <laughs> Non mais le chat il était pas d'accord du tout hein Le mec il m'a mis un truc sur la barbe là j'ai pas compris alors la barbe c'est réussi par contre là non faut arrêter Genre passer 25 ans il faut pas faire ça Et tu sais quoi le gars à la fin je lui dis ça vous plaît je fais bah c'est réussi mais c'est pas ma coupe quoi Moi c'est moins court et faut pas utiliser la tondeuse tu vois Il dit rien Je vais payer il me fait... Bah alors moi d'habitude c'est plus cher mais euh... Comme vous êtes pas avec moi d'habitude, je vous fais le prix normal. Bah me merci. Je pensais que vous alliez me proposer une réduction puisque vous avez tout raté. Mais euh, apparemment, j'ai le droit à pas l'augmentation, c'est déjà bien. Je mais euh Non, par contre, euh, la barbe, c'est réussi. La barbe, c'est réussi C'est euh... quoi, je voulais aller, je me dis allez, je vais faire un, je voulais faire un tournage chez des sets, ce ce end Sauf que on a on a repoussé. Donc en fait, moi j'ai pris ce gars parce que j'avais le tournage ce week-end et que la meuf à qui je suis habitué elle était pas dispo. Donc en fait, si j'ai cette gueule de connard, c'est à cause de D7. Voilà. Donc D7. Euh. Regarde ce que t'as fait. <laughs> bon, vidéo, c'est une blague. <laughs> je précise parce que tu sais qu'il y en a qui sont quand même pas fût de suite. ouais, coaching du coup. Euh. Non, mais j'ai pas osé, il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Mais j'aurais dû me méfier quand il a commencé à me tondre, tu vois. Parce qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que je lui montre une photo. Des quatre coins, je lui dis, tu me fais pareil que ça. Parce que quand les coiffeurs viennent vous voir, non, mais attends, écoute-moi bien Qu'est-ce que vous leur dites à ces connards Genre, qu'est-ce que je vous fais comme coupe Bah, tu coupes court, mais pas trop Qu'est-ce que tu vas lui dire Moi je dis court mais pas trop, mais ça veut rien dire en fait. Du coup, ce que je fais, c'est que quand je suis content d'un truc, je me prends en photo et je lui dis je veux ça. Je lui ai montré là. Hein. Il a regardé, il fait ok, parfait, il a fait autre chose. Mais il faut aller se faire foutre à un moment donné. Genre le mec il a pas regardé en fait, il s'est payé ma gueule. Genre j'aurais dû lui dire regarde bien. Hein. T'as bien regardé là Une baguette pas trop cuite, bah oui. Comment votre pain Bah. Bien fait quoi <laughs> Tu veux que je te dise quoi Ouais c'est ça, 3 mm en bas là tu me mets 20 degrés euh, Attention quand même, un poil sur deux si tu pouvais le friser, serait bien, connard Bah qu'est-ce que tu veux que je lui dise moi Viens, v1, v1, je suis des trois meilleurs que toi. Mais qu'est-ce qu'il veut lui Mais il est sub en plus, mais c'est ton petit frère qui a pris le compte, c'est pas possible Abonné depuis 5 mois bah, il est ban du coup. Non, mais dévane-le. Attends, abonné depuis 5 mois. J'aime l'argent quand même, hein. On a pas beaucoup de subs en ce moment. Non, mais je peux pas croire que ce type ait résisté aussi longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça, t'es diam 3, t'es meilleur Je rigolais. Mais pourquoi vous voulez absolument me mettre en dépression Genre, vous avez déjà essayé de faire des vannes en vrai Genre, avec du public en face de vous Vous avez déjà rencontré des humains ou pas Petit CSC quand même Mais je Genre, t'es déjà allé voir un gars et t'as fait une blague, t'as tenté l'expérience une fois avant de te jeter comme ça en public Juste pour avoir sa réaction. <laughs> c'est ma réaction qui te fait rire non, Arrêtez, débanne, débannez, débannez là, c'est pas grave. Il était pas sub lui. Non, 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 mais il a, voulu il a voulu refaire la blague. Non, 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 vas-y, on débanne, on débanne. Non mais euh, vous devriez arrêter de faire ça. J'en ai marre des golds, est-ce que c'est normal Le c'est normal. Tiens oh, putain mm. Mets un mot interdit. Manzerkel. C'est normal. On va tous les avoir avec ça, putain pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est normal. Tu le mets en mot interdit. Ah oh, mais oui. Le fameux je sais double reset en diamant c'est normal. Si on bloque le diamant ou double reset, c'est chiant parce que des fois c'est utile de dire ça dans une phrase intelligente. Mais alors le c'est normal. Ouais, non, pas normal juste. C'est normal, on peut pas Et le c'est bien, ouais. C'est bien et c'est normal. On peut pas mettre une petite sentence Petite phrase Non mais ouais je comprends évidemment que ça va être chiant mais tu peux pas faire une phrase complète Moi je suis diamant 2 en 1v1 et je sais à peine wall drag et micro air dribble. Mais c'est super Qui t'a demandé Pourquoi vous voulez me faire chier maintenant là Le coaching est là en 8 minutes et je ne pas déjà plus Mais j'aurais jamais acheté de médicaments, c'est pas possible Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui là Ça fait 4 jours que j'ai pas stream là, ça vous a... Putain, tout le monde était sur les starting blocks là Oh putain, ça fait longtemps que je lui ai pas demandé si c'était normal de savoir faire ça ou ça à Comment ça c'est normal, on s'en fout Merci Vapture Enfin quelqu'un qui fait un truc bien Merci pour le sub Bon... Mais j'ai la coupe! Non, <laughs> non, non, non! Mais c'est raté, c'est pas ma coupe! Putain, je vais me raser la tête. Putain, on dirait, on dirait, on dirait, on dirait vraiment, hein, on dirait pas moi. Non, mais c'est pas moche, c'est juste pas moi en fait. C'est un vachement. Bah voilà Merde Est-ce que j'ai envie euh, de ressembler à ça Non J'ai aucun problème avec mes 35 ans. C'est pas 35 ans ça. Ça c'est 22 max. Ça va, vous Ok, nice. Bon, si c'est trop problématique, le c'est normal, on l'enlèvera. Ah, bah, si, y en a un qui y arrive très bien. <laughs> T'as bloqué normal. Ce <laughs> bâtard, il a mis c'est normal. Oui, évidemment, si vous changez l'orthographe. Bonjour, Dino Jack. <laughs> Qu'est-ce qu'il fait Il pète un câble, les mono. Ça marche, chef George. Et Motonly. Fermez-la, voilà Ça va vous sinon <laughs> Il commence bien ça ce live. Est-ce que tu vas suivre la songe ai Gentlemate ce soir oh, Bon non, il faut être fan de Gentlemate pour ça, non moi je connais déjà les joueurs, alors je m'en tape. Après j'ai un petit peu envie de regarder Eversec regarder la caméra comme ça et faire avec un petit un travelling là. C'est vrai que ça euh... ça j'ai un petit peu envie de faire ça. Hein. <laughs> Moi bon, y'a un truc qui m'étonne. Pourquoi Dans les trailers, toutes les structures, elles parlent de valeur et tout. Et qu'au final, sur le ladder, il ait que des trous du cul. Est-ce que vous avez une explication à ça ou pas Genre... Euh, J'entends tout le temps parler de valeur, de machin et tout. Et quand tu lances une game, instantanément, ça t'insulte ta mère. Vous avez une explication à ça non, tout ça c'est du storytelling, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est ça, corporate bullshit, ouais. Acheter leur maillot, voilà. Ça fait marcher l'e-sport. C'est comme toutes les entreprises, ouais. Total. Pour un monde meilleur. What <laughs> Comment ça <rire> euh... <rire> Merci pour le problème stupide. <rire> <rire> pour un monde plus juste. <rire> <rire> <laughs> Puis là tu vas l'image d'un enfant africain tu sais qui a une pelle et plein plein de charbon. <rire> <rire> <laughs> <Spider> <sharpOS> Ouais, les employés, de... les mecs qui font ça, c'est des fous. Hein. <laughs> euh, là en ce moment les coachings c'est fermé parce qu'il y a trop de demandes. En plus par il va arrêter de s'en occuper, ça va être une nouvelle personne. Pourquoi League of Legends Comment ça Pourquoi League of Legends euh, Parce que Overwatch Quelqu'un comprend ce qu'il veut lui Ha <laughs> Noreux t'es chiant Euh... Pour... Non mais c'est une bonne question ça Pourquoi tu te fous de sa gueule Noreux là Noreux, tu utilises ton épée pour reprendre de haut les gens C'est pas mon boulot ça Je but En plus t'es classé quoi ton heureux, déjà Ouais c'est ça <laughs> Tu sais ce que je me disais J'avais un petit doute Champignon <laughs> euh, pour, pour devenir meilleur faut s'entraîner ou... Euh, et pas n'importe comment de préférence. Mieux tu t'entraînes. Faut s'entraîner beaucoup et avec qualité, voilà. C'est vous qu'on va sortir les nouveaux décalés. Alors là j'ai aucune information. Ah vous en pensez quoi de 6 heures de Blast là J'ai vu passer l'info et je sais pas trop quoi en penser. Blast va s'occuper du coup de Rocket League pour Epic Games. En même temps ils ont viré tout le monde donc C'est une bonne ou mauvaise nouvelle là Ils sont bien eux Fini les watch parties Ah ça je pense pas, bon, peut-être hein ça se trouve Ça m'étonnerait que Psyonix décide de... Ça c'est plutôt Psyonix qui décide tu vois. Ouais, s'il n'y a plus de watch party, ça fait chier, ouais. Bon, on parlera plus d'e-sport sur cette chaîne, hein. En pire, hein. Euh, Je suis pas tout à fait d'accord, rounding Genre, spam le 1v1, ça me paraît pas être le meilleur conseil pour progresser vite. Il faut en faire, ça c'est sûr. Mais le 1v1, il y a plein de trucs que ça travaille pas. Genre, un joueur 1v1, il est tunnel vision. Un jour 1v1 un il est ultra... Non c'est pas une nouvelle coupe, il m'a raté, c'est tout Je lui ai dit un truc, il a fait autre chose quoi. Nouveau coiffeur en tout cas. Coiffeur remplaçant, petit bâtard. 1 euh... V1, ça vous entraîne pas à regarder autour de vous ce qui se passe Et ça, je suis désolé, mais c'est important. Genre, euh, ceux qui ont la meilleure vision de jeu, c'est les joueurs 3v3. Logiquement. Parce que t'es un peu obligé en 3v3 de regarder ce qui se passe autour de toi. Vous voyez ce que, tu vois ce que je veux dire, Don Riding On les connaît, les joueurs 1v1, euh, qui font que du 1v1. C'est pas des bons joueurs en 2v2, 3v3. Euh, ils sont assez faciles à... Euh, ils sont assez faciles à battre, très prévisibles. Parce qu'ils n'arrivent pas trop à jouer au, au sein d'un groupe... Hein, c'est particulier le 2v2 quand tu fais que du 1v1, tu vois. Donc que du 1v1, c'est non. En faire, ouais, par contre. Très important. Moi, je pense que la vérité, c'est de faire un tiers 1v1, 1 tiers 2v2, 1 tiers 3v3, ça reste le mieux. Par contre, il faut un temps de jeu élevé. Dans l'idéal, un joueur qui veut s'entraîner sérieusement. C'est quoi une journée d'un... Une... Faut-tu banquer Mais qu'est-ce que vous avez Les modos aussi, là, vous êtes encore plus énervé que moi, là. Vous avez manqué ou quoi là Vous êtes en manque Dylan Portman, qu'est-ce qu'il a fait Regarde ce qu'il dit. Ouais, vas-y, ouais. Bref. Ce que je disais. Oui, euh, tu as l'impression, tu dis ça parce que la plupart des gens n'en font pas du tout. Du coup, c'est ce qui leur manque. Tu vois ce que je veux dire ou pas dans le riding en fait, t'as cette sensation que c'est ce qui manque à tous les joueurs pour être bon, et t'as raison, parce que personne en fait. Mais tu verrais un gars qui en ferait, tu verrais qu'il aurait d'autres problèmes, tu vois ce que je veux dire Toi, tu ne vois que le cas des gens qui n'en font pas assez. Du coup, c'est obvious pour toi que c'est ce qu'il faut faire, tu comprends Mais moi, j'en connais qui font que ça. On a fait un coaching d'un C3 GC1 là qui faisait que ça. C'est le, le, le monteur de Moxie là. Regarde ce coaching si tu ne l'as pas vu. Tu verras comme c'est catastrophique. Il, il peut pas gagner. Il peut pas carry, il fait rien en fait. En plus, un joueur 1v1 il apprend à jouer en prenant zéro risque. Tu peux pas jouer avec zéro risque en 2v2 et 3v3, c'est pas possible. La prise de risque ça doit faire partie du gameplay. C'est quelque chose que tu dois affûter. Si t'es pas capable de jouer en prenant un minimum de risque, tu gagneras jamais de game et tu pourras jamais carry. Tu seras au pire imbattable par des joueurs moins forts que toi, mais tu pourras jamais battre des joueurs plus forts que toi. Donc t'as raison mais non. Je trouve ça trop simple de dire go 1v1 pour progresser. C'est pas vrai. Merci euh, Nakusili, merci pour le sub. En fait il faut être il faut c'est plus compliqué que ça, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Ah, tu vois, regarde-le. Lui il en fait beaucoup et... Alors c'est à ne pas négliger, voilà, c'est ça. Le 1v1 c'est très bien pour vous apprendre à gérer vos duels. C'est pas normal en 2v2 quand t'as la balle et qu'il y a un mec en face de toi, tu puisses ne jamais réussir à marquer ou que tu sois le seul truc que tu sois capable de faire, c'est une passe. Les gens qui font ça ont des problèmes de mécanique et ne savent pas engager de duel en 1v1. Il faut qu'ils fassent plus de 1v1 et ça représente une très grande majorité des gens à bas et low. Souvent, votre seule option, c'est de faire une passe parce que vous savez pas faire autre chose. Le 1v1, pour ces gens, est très important. Mais si tu fais que ça... Euh... Merci Ikorei, bien, bienvenue du coup sur Twitch, et puis bah bon grinding. Hein. Faire uniquement du 2v2 c'est moins dérangeant parce qu'en 2v2 tu c'est tu sais un peu hein, c'est entre le 3v3 et le 1v1, tu vois. T'as pas mal de duels et t'as euh, obligé de regarder un peu ce que fait ton mate. Mais au final, pour être bon en 2v2, paradoxalement, il faut faire du 1v1 et du 3v3 pour développer des compétences qui vous seront utiles. Si tu fais 3 heures de 3v3, faites le test. Faites, faites du 3v3 pendant longtemps et allez en 2v2. Vous allez voir comme vous allez trouver ça chill. Parce que le 3v3 t'as des yeux partout, tu peux même pas parler, tu baves. À la fin t'as as, as le cerveau cramé. Et là tu reviens en 2v2, t'es en mode « Ah ouais, c'est facile, y'a pas grand chose à faire en fait. » Et vous allez beaucoup vous jeter. Du coup vous allez en 1v1 et après vous allez en 2v2, vous allez beaucoup moins vous jeter, mieux prendre vos duels, être plus pertinent, tu vois en fait tu bois juste pas les mêmes choses c'est tout. Ouais 80% de V2, 20% V1 si tu veux. La plupart des gens qui sont stuck, euh, bah vous avez une grosse lacune dans votre gameplay. Il y a une part de votre. Euh, soit vous avez un énorme défaut tactique que vous avez pas repéré, auquel cas euh, vous savez ce qu'il reste à faire. Ça c'est une option. Soit vous avez euh, un pan du jeu que vous n'avez pas travaillé. Et c'est trop gênant à un certain elo. Typiquement, ça sert, ça sert à rien d'être tout le temps bien. Il y a beaucoup de gens comme ça dans mon chat. C'est des gens michel Rotation, ils ont bien étudié le jeu. Tactiquement, ils sont vraiment au point. Mais vous savez rien faire avec votre boule. À part mettre des petits tirs, quoi. Du coup, bah, au bout d'un moment, vous arrivez à être stuck. Et comme vous le bossez pas euh, sérieusement, bah au final, ça avance, mais tout doucement, quoi. Parce que tu t'entraînes pas dans ce qu'il faudrait s'entraîner. Tu n'accélères pas la compétence qui est défaillante. Stux, je dirais que c'est 6 euh, mois. Ça dépend à partir de quel elo, en fait. Genre, passer 6 mois en GC1, c'est normal, tu vois. À partir du C3, c'est un an par rank à peu près, je dirais. Les pros s'entraînent pas quasiment en 2v2. Tu vois les pros s'entraîner quasiment en 2v2. La vérité, c'est qu'ils font des scrims en 3v3. Ils font souvent du 1v1. Et euh, ils font beaucoup de freeplay. Toi, tu parles de Kedop, là. Ils font pas de 3v3 ranked par contre, mais ils font des scrims en 3v3. Vous rigolez Tous les jours, ils font plusieurs heures de scrim, pas hein. enfin, au moins une heure quoi. Non, 6 mois pour passer de GC1 à GC2, pas de passer de nul à GC1. Pas <laughs> enfin, de nul, de débutant. Passer bah de C3 à GC, c'est à peu près 6 mois d'an, ouais. Comment ça, qu'elle a toujours pas de roster ah bah Si, il a son roster. Bah, c'est pas euh, Chaussette et. Euh, Rice Fox Moi, bah, je sais pas s'ils seront chez Solary. Ouais, c'est trois en ce moment, c'est pas du dur. Passez bah, 6 mois en C3, c'est normal, genre. Un an, ça commence à faire long. Plus d'un an, c'est que vous êtes stuck. S-C-R-I-M. Ouais, ils scrim contre les autres équipes, ouais. C'est leur adversaire quoi. Ils scriment contre eux Carmin Corps, Vitality, enfin tous ceux qui veulent quoi. Alors des fois il y a des équipes qui veulent pas scream contre toi, mais bon ça c'est les managers qui s'occupent de ça. Je pense qu'aucune équipe refuse des scrims à k je pense. Ça me surprendrait énormément. Pourquoi Parce qu'un joueur professionnel il respecte forcément Kellop, il y a que les platines qui respectent pas Kellop. Pitez-moi la réputé qui peut te faire aussi. Hein. <laughs> <laughs> Comment passer pour un de connard? Euh, non, Loïc Passion, c'est pas vrai ce que tu dis parce que euh, tout le monde sait très bien que les résultats en scrim ne veulent rien dire. Les... C'est pas parce que t'es bon en scrim que tu vas être bon le jour J. C'est des matchs d'entraînement. Voilà. C'est parce que t'as développé les compétences pour te faire carry en fait, euh, Lulix. cest t'es un joueur patient, sans doute que t'as de bonnes rotas, sans doute que t'es bien positionné, que tu joues simplement. Ça c'est des qualités que t'as besoin pour te faire carry. Mais pour carry il faut développer des mechas bruts, de, de la prise de duel, euh, une bonne gestion des risques. C'est pas les mêmes compétences pour se faire carry et carry les games. Il y a beaucoup de compétences dans, dans Rocket League à avoir. Hein. Euh, la pression est différente, ouais. C'est juste que les gens jouent pas de la même manière. En fait, la confiance en soi et la capacité à challenge, la forme du jour, l'hésitation, c'est autant de facteurs qui vont influencer sur le niveau d'une un, équipe. Du coup, il euh, y a des joueurs par exemple, surtout les joueurs très mécaniques, ils vont être très forts en scrim parce qu'il n'y a pas de pression. Et en match officiel, ils vont se chier dessus et ils vont rien tenter et du coup, ils vont juste moins bien jouer. Y'a pas de honte Pronin, t'es sub et t'es sub déjà donc euh... on va dire que t'es un rat. Tu puis en vrai, euh... faites ce que vous voulez hein. Je comprends qu'il y en ait qui veulent pas sub, après moi c'est sûr que sans ça je peux pas vivre. Hein. Quelle différence entre platine et diamant Bah... <laughs> Le niveau de jeu je ne pas, la question est bizarre genre. Merci Zaltar. Et je suis un dino du chat, et oui, ça dépend des gens. Encore une fois, euh, vous êtes dans le biais de croire que le niveau c'est quelque chose de. de simple à, à expliquer et à comprendre. Il y a des joueurs, ils vont monter platine parce qu'ils sont bons au sol, d'autres parce qu'ils sont bons en l'air. Tu montes pas diamant pour les mêmes raisons Il n'y a pas un diamant, il y en a des millions. Des milliards euh, La fourchette de mon salaire. Euh, bah, mon salaire, pour l'instant, c'est le bordel puisque. J'étais en auto-entreprise, mais je vais passer en entreprise et je vais me payer 1500 euros par mois. Voilà. Et normalement, je devrais pouvoir euh, monter. Voilà. Le compte de la boîte. URL, ouais. Je suis dedans là, c'est pour ça que je streame moi en ce moment. 1500 en tout. Après, ma boîte devrait monter normalement. Okay. L'idée, c'est d'avoir des sous sur la boîte. Et puis, c'est 1500, mais en fait, ce sera plus parce que la boîte paiera plein de trucs. Genre, elle paiera ma connexion Internet, elle paiera mon téléphone. Vous voyez Donc, en vrai, c'est 1500 euh, qui font plaisir, quoi, qui mettent bien. Enquête prévue prochainement Pas vraiment non parce que là je suis encore en train de faire mes tests, désolé je suis encore en screen, c'est pour ça que je stream moi. En fait il y a deux raisons pour lesquelles je, je stream moi, la première raison c'est que je m'occupe de ma boîte et que les papiers et moi ça fait deux. La deuxième raison c'est que... Je, je joue off-live en fait. Vous voyez ce que je veux dire Là après le après le scream, là, euh, là après le stream là je vais faire le coaching là on commence bientôt là quelques, dans quelques instants Après je vais scrim deux heures et je vais, ce sera off live euh, non c'est parce que je fais je suis pas encore fixé sur le troisième jour de mon équipe Du coup euh... Bah voilà du coup euh... J'ai pas, de en pas envie de faire des tests en live, vous voyez? Parce que le problème du test en live, c'est que la personne qui est pas sélectionnée, du coup, bah. Tu vois, tout le monde va connaître son nom et tout. C'est chiant Le pauvre, tu vois. Genre, c'est pas cool, tu vois. Donc, dès que le, le joueur est choisi, là, euh, on lance, On fera des scrims en live. On commencera les scrims en live. partout aux taxes. T'es pas jeune genre toi T'as quel âge au Parce que là euh, les taxes j'en ai déjà. Avec les com ouais. Tu vas avoir une équipe Ouais j'ai envie de monter une équipe cette saison, j'ai envie de jouer. 17 ans bah... Sache que j'en ai déjà des, des tas des taxes. Ouais j'ai déjà... je connais déjà le principe ouais. Deadline non, pas de deadline, mais ça devrait être bientôt, courant janvier. J'espère juste que les RLCS vont rester en ligue ouverte, qu'on pourra faire, euh, qu'on pourra faire les, les RLCS. C'est ça qui me fait un peu peur. J'ai peur que la ligue ouverte elle s'arrête. Que ça devient pay to win Rocket League Franchement je vais avoir trop de mal à m'y faire. Ça va demander un gros travail pour moi de pas trash-talk quoi. Genre euh, il va falloir que je sois pas trash, que je trash talk pas et ça va être trop dur genre. Bah euh, ligue fermée c'est pay to win quoi. Tu payes et puis t'es es gagné, t'es qualifié. <laughs> T'as pas besoin de te qualifier. Tu payes euh, Dans League of Legends, tu payes 20... tu payes 30 millions et hop, t'es au LGC. Bon en vrai c'est plus compliqué que ça mais... Oh waouh! 120 000 balles, allez, bonjour! Ne fais pas ça, stupide, hein! Tu te feras démonter les fions sur le terrain? Bah ouais, bah y'en a, ça les dérange pas, hein! Non, et puis déjà que c'est compliqué de. Il a aucun rapport avec le Hello, ta phrase Gigi Week. Quel rapport entre le Hello et le fait de vouloir jouer dans un mode de jeu euh, Là on fait le coaching et je coupe. Hein. Parce que j'ai scrim à 22h et à 23h. J'ai 2 heures de scrim là après. Ouais j'avoue, trop dégoûté qu'il puisse pas jouer euh... Après, Après il a l'air bien non J'aurais trop voulu voir le petit le petit là le petit Frenchy là Comment ça que l'heure d'un instant à l'autre Ouais caliste c'est ça Je vais regarder la LEC là je veux voir le je veux voir Kameto euh... Je veux suivre le rêve de Kameto ouais. bon, est ce qu'il va y arriver <laughs> Est-ce qu'ils vont se qualifier au world Ce serait fou mais pourquoi tu vas envoyer des liens stupides On s'en fout. Qu'est-ce que tu veux nous envoyer là Bah les joueurs sont, seront révélés bientôt. On m'a demandé mon tracker. Bah envoie un DM au gars, euh, pas dans le chat. J'ai vu le match, le show match contre t c'était trop marrant Il était trop content même, c'était trop bien Bon ils se sont fait soulever mais... Après c'était pas la vraie équipe qu'ils vont avoir après mais... Comment ça t'es transparent Je comprends rien à ce que, ce que vous dites. Bon, allez, on y va là, parce que là je suis perdu là, dans, ce, dans ce. Bizarre ce chat. Ouais, le chat a pas QV du nouvel ancien plein. sont trop pour faire de... des annonces. J'ai bien aimé euh, le, le côté prisonnier pour se foutre de la gueule de Vitality, ça m'a fait rien. Après, je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un peu facile quand t'es la structure euh, qui a le plus de, on va dire, de hype, de te moquer des structures qui sont obligées de bloquer leur genre pour pas qu'ils se barrent. <laughs> ok, Frocor, ok, super, merci. Un conseil pour le boost management euh, Lâche pas tout d'un coup. Cassé à moins rigoler contre Vitality ou LCS. C'est vrai, c'était serré quand même. Hein. Travail, il est là ou pas Ça c'est ça. Ouais. Bah justement Almarbi, c'est justement ça, il faut que tu bosses ta vision de jeu. Vois les joueurs où ils vont. Est-ce que lui va prendre ce boost, retiens quand un boost est pris, prends des pads, ça fait bosser des trucs qui sont intéressants. J'ai pas dit que t'allais prendre du plaisir, j'ai dit que t'allais bosser. Le mec, je viens de l'envoyer faire 15 km à pied avec des <laughs> métaphoriquement 15 km de course avec des poids aux pieds, il me dit "MDR, je suis fatigué." Bah oui, c'est la oui, c'est de la merde, oui, tu vas souffrir, tu vas roter du sang, tu vas en chier. On n'a pas dit que tu allais t'amuser. Est-ce que j'ai la gueule d'un mec qui t'envoie t'amuser Non, non. Tu vas crever, oui. Tu vas te faire insulter ta mère. Je sais. J'ai pas dit le contraire. J'arrive pas à me sentir crédible avec cette coupe. Je suis désolé, je vais devoir arrêter d'être streamer jusqu'à ce que ça repousse. Je, je me sens pas crédible. Je me vois là, je. Non. Je, je perds confiance en moi. Complètement. Je. C'est pas possible. Bon, on va faire avec. Allez. La coupe de jeunes, ouais, ferme-la. <laughs> T'es pas de Poitiers, si, si. J'aime bien. Non, non, mais tout le monde adore. Ouais, ça va, mais je sais bien que ça va. J'ai pas dit que c'était raté, j'ai dit que c'était pas moi. Non, non, les dégradés, non, c'est non. Non, non, on fait pas de dégradés. Un quoi Bon travail. Ok, j'ai tout. Très bien. Salut, salut. <laughs> tu m'avais prévenu pour le micro, mais. <laughs> Allo Je suis désolé, je peux pas faire mieux. Comment ça <laughs> Crie voir un peu là <rire> ah. <rire> 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 eh ben, Ça commence bien Hein Bon, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Toi, ça va? Bah, écoute, on prend un max de plaisir déjà là. Euh... Donc, Diamant 1! Tu joues, ça... quand Comment tu joues depuis quand? Comment? Tu joues depuis quand? Depuis le free to play. Free to play, ouais! Et j'avais arrêté pendant un long moment. Et t'as fait des pauses? Ouais. Et j'ai repris il y a, je dirais, un an. Ouais? Euh... Oui, ça doit être Et euh... j'ai. J'avais Pixé 1 il y a deux saisons, je crois. Pixé 1 il y a deux saisons. Ouais, et au début de la saison suivante, j'ai fait une dégringolade. Dégringolade la saison dernière, c'est normal, ils ont baissé la MMR. Ah. <laughs> Donc je me suis dit qu'il y avait un souci et j'ai pris un coaching. <laughs> ok. Voilà. Donc, Comment ça, normaliser le volume Non mais j'ai mis à fond, euh, arrêtez de m'emmerder. Je ouais, répète je ce qu'il dit. Vous avez, mais, vous, mais vous êtes con ou quoi J'ai répété tout ce qu'il a dit Pourquoi vous dites on l'entend pas Vous êtes débile en fait. A chaque fois qu'il a donné une info, je voulais répéter à haute voix. Vous êtes con non Non, pardon, excuse-moi, c'est full chat. Donc, je récapitule, vous m'entendez Donc, il a commencé au free to play il a fait d'énormes pauses. Et il, est, il a piqué en C1 avant que ce soit dur, il y a deux saisons, on il il lui a baissé sa MMR et du coup, euh, grâce à ça, il a pris un coaching. Bah merci Psyonix de, ram, de, rambe, ra, de baisser la MMR des gens, en vrai, faites ça tous les trois mois, ça me ramène des gens. <laughs> Donc euh, non, c'est normal, si t'as baissé, tout le monde a baissé. Hein. Ok, ok. Après, ça m'empêche pas de, de voir ce qui va pas dans mon gameplay oui, oui, non mais bien sûr, oui, non, mais je, je, je plaisante évidemment. Il euh, y a aussi des gens qui ont pris des boostings quand on leur a baissé leur elo donc coup c'est moins bien. Voilà hein. Mais euh, ouais, euh, super mage en tout cas, les coachs et les boosters, on s'est régalé hein. vraiment merci Psyonix. <laughs> N'hésitez pas à baisser encore de 200 de MMR la saison prochaine. Euh, on se régale quoi, on se régale. Alors... Euh... <laughs> euh, bah écoute, on y va. Hein Solo QD1, on est parti as... Eh, Question Tu joues combien d'heures par jour et combien de jours par semaine euh, C'est souvent le week-end. Je joue par euh, salve, on va dire. Euh, Il joue par salve le week-end Ouais. Je spam beaucoup des moments et des moments je joue pas pendant longtemps. Ok, des fois tu spam, des fois tu stops. Ok, donc c'est vraiment la pire façon de progresser, bien sûr. On rappelle... Euh... <laughs> je veux dire, on n'est pas d'y avoir un par hasard. <laughs> des salves, c'est ça. Y a... Mais ok. Euh, solo Q only euh, alors, non, je joue aussi en duo, mais toutes les games que j'ai envoyées, c'est du solo. Démanissez Jasquel, là. C'est quoi ce dérapage, Jasquel Qu'est-ce qui s'est passé Il est là depuis, depuis Mathusalem en plus, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jasquel C'est quoi, quoi ce dérapage Bon, euh, très bien. Tu fais un peu de freeplay ou pas du tout euh, Ouais, ouais, ouais. Bah, souvent, des fois, quand j'ai pas le temps de lancer une game ou euh, même quand j'ai le temps de lancer une game, en fait, je fais du freeplay. Récemment, j'ai commencé le workshop aussi un peu. Ouais. Euh, sur la map Diversex, du coup, les. <rire> 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 très bonne idée pour commencer. C'est bien, c'est accessible en plus. <laughs> Non, pas, des notes de merde. <laughs> tu devrais essayer Gauntlet Air Dribble, c'est pas mal aussi pour les débutants. Je <laughs> l'ai vu en plus. Hein ah Je l'ai vu en plus. Tu l'as ouais, vu ouais. ouais, mais voilà, bah regarde la passer hein, de loin. <laughs> Effectivement. Ok, ok. Euh, très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Non, je pense qu'on a toutes nos infos. T'as déjà regardé des coachings live ou pas euh, Quelques-uns, ouais. Quelques-uns. Ok. Très bien. Eh ben écoute, je t'invite à te mute. Ça changera pas grand-chose. Mais euh, comme ça, tu, tu regardes tranquillou. si t'as des questions, t'hésites pas à me dire, ok C'est quoi ton pseudo sur Twitch euh, L'airbags, je vais mettre un message. Ouais, dis un truc, voir. Voilà. Parfait. Eh ben écoute, tu te mutes complètement. Et puis tu peux regarder le stream tranquillou. On est parti, on commence. Parfait, il s'est pas trompé, c'est génial. Je sais qu'on l'entend pas. Mais maintenant, euh, j'ai répété tout ce qu'il a dit. Donc normalement vous avez toutes les infos. Ok euh... <laughs> On se marre bien hein Non mais y'a pas de problème l'airbags euh, tu fais ce que tu peux avec le matos que t'as. Euh... Quelqu'un m'a dit que t'avais scrim en 3S, PTDR c'est vrai. Oui oui je scrim, j'ai deux heures de scrim après là, une je, vais, je monte une team là en ce moment. Pourquoi PTDR c'est vrai ça J'ai le droit de jouer non Je comprends pas pourquoi ça fait un... On commence le coaching là. Je comprends pas pourquoi ça fait un débat. En fait, je suis joueur de Rocket League. J'ai le droit de jouer à Rocket League avec des joueurs, non Après, vous n'êtes pas obligé de regarder, ça ne vous intéresse pas. Hein, mais. Euh... Voilà. Ouh, il correille <laughs> le timing du message. Voilà, si vous ne voulez pas nous regarder jouer, ne nous regardez pas. Hein. Si vous aimez pas ce contenu. Euh... Ça me fait rire qu'un pote à moi t'ai joué. Ouais 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 bah ouais. Du coup je joue euh, plein de plein de gens quoi. Non 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 il n'y a pas de World l'année prochaine. On joue parce qu'on aime ça en fait. <laughs> c'est juste parce qu'en fait on aime bien jouer à Rocket League <laughs> et que la Rocket c'est de la merde. Allez, euh, du coup on choisit nos adversaires. Voilà. Euh. Let's go! Allez, coaching! Diamant 1! Ouais, diamant 1! Ah! Hein? Ah. Euh. Non, on n'est pas fixé encore, c'est pour ça que je stream pas. J'attends d'avoir choisi le troisième joueur et après on fera les scrims en. Bon alors! Je rappelle, et là je demande toute votre attention les Noobers et même les moins Noobers, quand on regarde une game de GC3, GC2 de haut ou ralenti, même en tant que viewer du point de vue d'un joueur plus fort, on a l'impression que les joueurs sont mauvais. Ce qu'on appelle l'effet viewer. En fait, quand on est en, quand on est en regardeur, on est 100% concentré sur ce qu'il faudrait faire, euh, comment la balle arrive. Et en fait, on n'a pas la manette dans les mains. Vous n'avez pas à faire les actions. Ce qui fait que, forcément, vous avez l'impression que tout est facile, tout est lent. Et quand on rajoute à cet effet-là le fait de regarder du dessus, donc en dézoomant, tout devient encore plus obvious c'est encore plus ridicule. Quand on est à fond dedans. Euh, je vous rappelle que si vous vous mettez sur une trottinette en pente, euh, avec des lunettes comme ça et un casque, vous allez aller à 30 km/h et vous allez avoir l'impression d'être une fusée de ouf. Hein, ne faites pas ça, vous allez vous blesser. Mais si on regarde du dessus, on voit un codard en trottinette et c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Est-ce que ça vous parle cette métaphore Voilà. Donc là, techniquement, on est en diamant 1. Euh... Vous allez avoir l'impression que c'est euh, des joueurs débutants. Spoiler, oui, quand on a diamant 1, on ressemble à un joueur débutant. Mais on est encore bien plus fort qu'un joueur platine. Et oui, si vous, vous êtes platine et que vous avez l'impression que c'est plus bas niveau que vous, vous êtes dans l'erreur. Regardez vos games, vous allez voir, c'est encore pire. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Euh... Voilà. Euh, donc, attention à l'effet viewer. Dites pas c'est diamant ça MDR parce qu'on va vous ban. Voilà, c'est chier. Mettez, mettez les, euh, les modos maintenant, ça on met euh, le pire tout pire. J'aime bien. Merci Taste pour le Prime. <laughs> Et si vous avez un doute sur ce qu'est l'effet viewer, regardez une de vos games, vous allez voir, vous êtes des clowns. Voilà. Alors, on va regarder mes games en 3v3 avec mes scrims. Vous allez voir comme je suis le plus nul. Voilà. Allez on est parti. Donc Jumbo Swift, Nilsito. Ce que j'aime bien avec le diamant, c'est que c'est des endroits où on peut voir ce genre de voiture. Ce mec, je suis sûr, il a plus de 30 ans. Merci sure Chakov pour le Prime, merci beaucoup. Voilà. Et notre héros il est là, l'airbag. C'est parti. Petit follow avec un oh trop marrant. Incroyable, tu joues plus le free to play Ça a l'air étonnamment bon ce flip <laughs> et ridiculement compliqué. Ça, c'est des erreurs qu'on voit depuis longtemps. Putain, il est, il est turbo propre. Tu joues clavier souris Manette. Ce diagonal flip. Euh... <laughs> Je suis impressionné. Hein Moi, il y a des mecs en C2, ils arrivent pas à front flip droit. Le mec, il te met un petit diago. Il est sur la ligne blanche. Hein. Je vais pas vous mettre la pression, mais euh... c'est pas mal. Ok. Oui. But. Wave dash. Attends, mais quoi Non, mais c'est pas du diamant 1 ça. C'est un prank Flemme hein est Un peu moins propre celui-là, ça monte sur le mur. Ok, t'as de l'espace. Ok c'est raté mais c'est étonnamment fort. Tu... Comment ça ça se contredit Bah a l'air étonnamment bon ce Ce setup plus là là ça je sais pas le faire ça hein. Anciennement c'est un ouais What Non mais attends mais tu te fous de ma gueule C'est un... à moitié un speed flip ça, tu rigoles ou quoi Prise des pads, maintien du supersonique. Ok tu t'es jeté en dernier défenseur Ok bon mécaniquement c'est très bon par contre ça c'est complètement con Alors on va réanalyser cette analyse du dessus Donc là du coup je vois le diamant là euh, comme quoi Alors ta pourquoi tactiquement c'est nul à chier Ok. En fait là, t'as un mate qui fait n'importe quoi. Ok. Ton mate il est pas bien positionné. Ok. Ok, il va vers là. On ne sait pas pourquoi, mais il fait ça. Ok. Toi, tu arrives par ici côté opposé, c'est très bien joué. T'as beaucoup de distance par rapport à la balle. Lui, il va pas aller sur le ballon. Tu décides donc d'y aller. Dès lors que tu décides d'y aller, tu es P1. Dans Diamant, il y a plusieurs P1. Ok. Euh, là, concrètement, il peut pas tirer. Ok. Il peut pas tirer. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, le gars qui arrive là Bah, une passe. Ok Donc en fait, si tu vas, tu leur offres la possibilité et que tu rates la passe, ce qui n'est pas forcément facile à attraper parce qu'une passe, il peut te taper un peu n'importe où. Il a juste à, à, te, à, à, à ne pas que tu la touches. En fait, si tu fonds sur cette balle, si tu ne la touches pas, tu perds. Si tu attends, il faut que lui la touche, il la mette correctement, qu'il la cadre et que tu ne puisses pas l'arrêter. Tu vois la différence de conditions de réussite de l'action les conditions de réussite de l'action sont complètement différentes. Ton mate est mal positionné. En fait, t'as absolument pas besoin de foncer sur cette balle puisqu'elle ne représente aucune menace. Là, t'attends au tranquillou back post et tu récupères cette petite balle. Voilà. Tu vois En fait, là, il faut bien comprendre un truc. C'est que le fait que tu fonces sur la balle, ça ne change pas son decision making à Sito. En fait, là, lui, il s'en bat les couilles de toi. Là, il voit une balle. Il essaie d'attraper la balle. Il tape dans la balle. Il a essayé de faire un centre. Il avait l'intention de centrer dès maintenant. Là, il a déjà l'intention de centrer. Pourquoi Parce que de toute façon, à ce niveau, et même à plus haut niveau, c'est impossible de marquer dans cette position. En fait, ça n'a absolument aucun sens de se jeter sur un type qui ne peut pas marquer. Tu vois Là, il ne t'a même pas vu, en fait. Regarde bien toute l'action. Toi, t'es à droite, t'es du bon côté du jeu. Il te voit même pas. Là, il sait pas où Il sait pas où Il sait pas où Oh, je l'ai éliminé Et là, je suis sûr qu'il a dit à son pote... Eh T'as vu ce que je lui ai mis au libre là <laughs> Oh l'airbag, je l'ai dribblé mon pote Oh hein, le mec euh... Alors qu'en fait il savait même pas que t'existais, tu vois Tu t'es éliminé littéralement tout seul, personne ne t'a vu. Tu comprends Alors que là, t'attends tranquillou là, là, il fait sa passe de merde, t'attends un peu, hop Là, tu bats lui là, et hop, t'élimines un mec, tu passes derrière, contre-attaque, et là t'es dangereux. Tu prends ce boost, et c'est d'aller marquer, tu vois Qu'est-ce que t'as fait là concrètement Le mot c'est quoi C'est quoi cette erreur si on devait lui donner un nom Ça, c'est un commit P2. Là, tu commit P2. Ton mate, il est à la ramasse. Mais attention Lui là, c'est un diamant normal. Hein. Ça, c'est du diamant normal. Hein. Toi, t'as des mechas absurdement élevés, visiblement, mais euh, ton erreur est une erreur de ton Hello. Un commit, c'est quand tu t'engages trop en dernier défenseur. Donc là, tu t'es jeté. Est-ce que c'est la faute de ton mate Alors, ton mate n'a servi à rien, il est mauvais. Est-ce que tu aurais pu éviter ce but et empêcher l'adversaire de marquer La réponse est oui. En fait, à ce hello, c'est toujours de la faute de tout le monde puisque tout le monde débute. Donc reprocher à son mate quoi que ce soit, ça n'a aucun sens. Avec quelques bonnes bases, tu dois pouvoir carry toutes tes games en diamant 1. Surtout qu'en plus, visiblement, t'as l'air d'avoir de super mechas. Donc t'as aucune excuse. Là, tu dois pas te jeter et tu dois empêcher ce but. Ok Marc Oui voilà. Et comment tu peux être diamant 1 en sachant speed flip Genre fais ça à tous les kick et gagne toutes tes games. Je comprends pas, c'est quoi le problème C'est pas possible d'avoir autant de méca et d'être diamant. Hein. T'as capté que les bleus doivent mettre la balle dans le but orange et les oranges dans le bleu. Ça c'est bon, je reviens pas là-dessus. Ça c'est bon, c'est clair ou pas Non parce que là tu me fais penser à un type de 250 kilos de muscles qui se pointe Faire des combats de boxe contre des enfants de 8 ans et qui perd. Genre là t'es en train de faire un 1v1 contre un type avec une Kalachnikov, le mec est en slip. Hein. Et t'arrives à perdre Donc il va falloir qu'on comprenne pourquoi. Parce que savoir speed flip aussi bien et aussi bien se déplacer et être diamant c'est qu'il y a un problème de compréhension fondamentale du jeu. T'as passé ta vie en free play, c'est pas possible. Ou alors ce coaching est un prank. On va voir. En tout cas, là c'est un fil... Ah bah oui, bien sûr. Que serait un diamant sans un fini de dash Mais c'est super On va pouvoir... Euh, on va pouvoir mettre tout ça sur TikTok. Ok. Ok. Très bien. Tu réduis la distance. Tu y go, il y a un joueur derrière toi donc c'est pas trop grave. Le challenge est as assez maladroit quand même. Hein. En fait là, tu sais c'est quoi le problème de ce challenge C'est que tu attaques sur un timing où l'adversaire est quand même normalement très proche du ballon. Juste avant toi. En fait l'adversaire, il y a des moments où il peut faire un truc avec la balle et des moments où il peut pas. J'ai l'impression que t'as un petit peu de mal à... Ouais il est bon sans la balle, c'est un peu ça. T'as un petit peu de mal à repérer ces moments-là. Les timings de challenge sont mauvais. Donc là tu vas passer en supersonique, économie du boost. Incroyable. Rotation côté opposé, le... le... Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu fais Ok, là c'est bizarre hein. Là t'es open hein. Là c'est but hein pourquoi tu défends pas derrière euh... Qu'est-ce que tu fais sur le côté de ce terrain là Qu'est-ce que tu fais là-bas là, là Pourquoi là-bas Là, là tu sais que lui il marque hein, s'il si, si, si se réveille. Hein. Là, c'est open là. Pourquoi tu laisses ton but open Heureusement que. Heureusement que le mec l'a empêché de marquer là. Hein. Parce que là, qu'on soit d'accord. On, qu on là, on vient d'assister à un grand moment de diamant. Donc lui, il est sur le mur, on sait pas pourquoi. Toi, t'es là-bas, on sait pas pourquoi. Lui, il va empêcher son mate de marquer l'open. Regardez bien. Là, il l'empêche de marquer. Donc, on est sur deux joueurs qui laissent un open et un joueur qui empêche son pote de marquer l'open qui a été laissé par les deux autres. C'est ça qu'on regarde là. Voilà. Donc, non, mais je. Voilà. Alors, en fait, il faut se mettre toujours derrière son mate et faire attention à pas que l'adversaire puisse tirer. Tu dois toujours défendre ton but si l'adversaire peut tirer. Là, tu vois bien que il faut que tu sois là. Tu te mets derrière ton mate. En fait, il y a. Hmm, ok. Je recommence. Il faut que j'explique différemment. Il y a deux options. Ok Il n'y a que deux options. Oui, je sais pas trop pourquoi, euh, l'air de bags, tu, tu pensais ça. Mais écoute-moi bien. Tu as deux options. Soit l'adversaire touche la balle en premier. Soit c'est toi ou ton coéquipier. Soit c'est ton équipe ou l'équipe adverse qui touche la balle en premier. Ok avec ça C'est bon Donc, ça, c'est la première chose que tu dois repérer. Ok Donc, ça, tu notes dans ta tête. Il y a une balle qui se balade. Qui va toucher la balle en premier okay Si c'est ton coéquipier, tu dois te rapprocher de lui au cas où il rate. Ou pour prendre la balle après lui s'il réussit. Et tu dois te mettre derrière lui. Donc là, dans ce monde-là, tu aurais dû être ici. Sauf que là, on est d'accord que ce n'est pas le cas. C'est ton... ton adversaire qui va avoir la balle en premier. Okay Quand c'est ton adversaire qui, doit avoir... qui a la balle en premier, tu dois défendre ton but. C'est tout. Voilà, j'ai fini. Est-ce que ça c'est clair C'est simple. C'est l'adversaire a la balle en premier, attention au tir. Il faut que je défende mon but. L'adversaire n'a pas la balle en premier. Alors parfois, alors il y a une subtilité quand même. On est en diamant 1, hein, on peut aller un tout petit peu plus loin. Si ton adversaire a la balle en premier, est-ce qu'il peut tirer dans ton but En fait, c'est ça la question plus. Ne reste pas tout le temps devant tes cages. Parce que parfois adversaire, ton adversaire il va récupérer la balle par exemple dans le corner ici. On est d'accord que dans le corner ici, il peut pas tirer dans le but. S'il ne peut pas tirer dans le but, tu dois t'avancer vers lui et tu dois essayer d'anticiper où est-ce qu'il va pousser la balle pour la récupérer. Ok Il aurait sûrement pas tiré dans les cages. C'est vrai, mais c'est pas une raison. Il faut se préparer à. En fait, dès qu'un adversaire peut tirer dans tes buts, tu dois être sûr que quelqu'un puisse la défendre. Attention, si, 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 si ton mate est derrière toi, c'est bon, tu dois le laisser défendre. Mais si ton mate est devant, c'est toi. Soit ton mate, soit toi. Mais tu dois toujours t'assurer que s'il y a un tir qui roule vers ton but, tu dois pouvoir l'arrêter. Merci Godlands pour SFGIF, merci beaucoup. Ok Donc là, tu vois, c'est pas ce que tu fais. Alors, on va, on va, on va, on va reparler de toutes tes erreurs. Donc là, c'est bien joué. Alors, mécaniquement, c'est impérial, hein, vraiment. Pour bon, le coup, j'ai vu des C3 avec euh, moins de mécanique de déplacement que toi. Euh... Sauf que là, analyse qui va avoir la balle en premier. Là, tu dois t'inquiéter. C'est un orange. Du coup, tu dois t'arrêter et te repositionner tranquillou derrière au cas où il tire. Là, on voit qu'il n'y a pas de tir. Du coup, ton mate y va. Tu te mets derrière ton mate. Et là, regarde. Hop, tu dois avoir cette balle-là. Et là, tu vois, tu peux tirer. Et si tu es assez bon, tu peux même marquer ici. Là c'est open, tu vois. Tu attends derrière, quand la balle vient vers toi, tu tires. Tu vois Il y a même eu du dérapage, incroyable. Ok. Donc là, ok, ton mate a fait une erreur, happens. C'est la vie. Donc là, c'est à toi d'y aller. Ton mate, il est pas là, donc tu y vas. Tu t'avances. Tu attends. Voilà. Encore une fois, là, est-ce que tu peux avoir la balle en premier Si oui, tu sautes. Sinon, tu attends qu'il la touche et tu essaies de savoir où il va la mettre. Ok Et s'il arrive à la tirer au-dessus de toi, tu te repositionnes, tu laisses ton mate derrière. En fait, c'est concrètement. Bah là c'est pas mal, regardez. C'est pas mal comment il est positionné ton mate. Là, on est d'accord que tu n'as pas la possession. Ton adversaire va avoir la balle en premier. Ok Donc ça sert à rien de sauter. Si tu sautes, là, bah, il va décaler le ballon. Et si tu l'as, c'est juste que tu as eu de la chance, tu vois. Travis, on parle, on parle du diamant là, hein Encore une fois, on n'est pas en train de, de parler d'un autre élo. L'eau diamant. Donc là, il a la boule. Ok la boule, il peut la mettre un peu partout. Ok Il peut la, la, la rater. Auquel cas, elle va tomber devant le but. Il peut la pousser là-bas. Il peut la tirer très fort par là-bas. Ok C'est un peu les trois grandes options. Ok Donc, ce qu'il faut, c'est couvrir toutes les options. Sauf que tu peux pas couvrir l'option la balle tombe devant lui et la balle va très loin. Tu es d'accord avec ça Pas possible. C'est pour ça qu'il faut être deux. Il en faut un qui s'approche, au cas où il pousse pas trop son ballon. Et un qui reste derrière, donc là vous êtes bien positionné. Tu comprends Donc si ton mate fonce sur la balle, toi tu restes un peu derrière lui. Si tu vois que ton mate n'est pas là, toi tu t'avances. N'essaie jamais de sauter en... trop tôt. Sois patient. Là ce qu'on veut sur une action comme ça, c'est d'attendre qu'il fasse son truc et nous on essaie d'anticiper. Donc là t'es battu. Si t'es battu, tu t'en vas. Tu t'en vas. C'est bien de s'être avancé, mais il l'a mis à un endroit où tu peux pas l'avoir. Du coup, tu t'en vas, et tu te repositionnes. Ok. Donc c'est bien, tu retais de côté opposé, tu t'es fait prendre le boost, donc là... Attends voir Oula, tu t'avances vite là. Ok. Tu vois, ton problème c'est que là... Tu vas vite, mais ça n'a pas de sens. Tu vois. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Stop Tu t'avances un peu, là. C'est quoi le but du jeu Ballon d'un but. Il est où le but Voilà, pourquoi tu balances la balle comme ça devant Freine. Tranquille Voilà, tu t'emmêles tu, tu les pinceaux tout seul là. ah attends, attends ça Heureusement que t'es que super bon mécaniquement. C'est incroyable d'ailleurs. Je comprends pas vu ça <laughs> c'est vraiment trop bizarre ce coaching. <laughs> Ouais j'en ai vu mais ah, j'ai jamais vu ça hein. <laughs> la qualité des mécaniques d'accélération fake challenge c'est bien joué petit contrôle là Bon alors bon là c'est trop hein, le contrôle il faut que tu pousses ta balle et pas que tu te mettes hors de portée. Okay, là tu changes ton pote, c'est bizarre. Bon, bon, bon. peut pas 2v1 Ok 2v1 c'est difficile Tu sais pourquoi Bah parce qu'ils sont deux <laughs> Et que en plus Si t'essaies de 2v1 T'auras ton mate sur la route Ça va rapidement se transformer En 3v1 Comme on vient de le voir Si ton niveau à toi c'est niveau 22, ok? C'est arbitraire comme chiffre, ok? Et que pour passer euh, C1, par exemple, il faut être niveau 22. Si tu fais ton job dans les games, et que tu fais du 2v2, et que tu joues correctement, tu vas passer C1. Mais si tu veux tout faire, et que tu vas à 3v1, et que pour gagner en diamant 1, il faut ni être niveau 12. Bah, on peut dire que tes deux adversaires ils valent 12 chacun, ça fait 24. Toi t'es à 22, t'as perdu. Est-ce que c'est clair d'expliquer comme ça ou est-ce que je recommence avec une autre façon d'expliquer de En fait, ça n'a aucun sens d'essayer de tout faire. Quand on a un mate nul, on peut rapidement se dire ok, il est nul, je fais tout. Et ben bah non, si vous dites ça, vous avez perdu instantanément. Il y a un monde où vous allez réussir en faisant ça, mais c'est. Absurde, mathématiquement. T'avais fait plus de, tu disant, voilà, tu vaux tu 1,5, 1,5 joueurs à ce hello, mais si t'es tout seul, c'est 1,5 versus 2, ouais. Bref. Là, tu vois, t'essaies de tout faire. Il n'y a plus de, il a plus rien. Ton mate, il est en panique, il comprend pas ce que tu fais. Il est probablement tilté aussi. Et euh, quand bien même tu vas réussir à marquer solo ce but, qui est très bien joué, non, tu vas le laisser à ton c'est vraiment une belle action. Le problème... Euh Donriding, ouais, tu, tu peux lui expliquer s'il te plaît, si c'est un jeune. J'aime pas trop les blagues sur les chômeurs, euh, de manière générale. Euh, soyez respectueux. Voilà, là, dans toute l'action, t'es en vision tunnel. Et euh, tu veux, tu vois, tu le pousses complètement, quoi. On va remettre l'action de son point de vue pour que tu comprennes ce, que, ce qui se passe quand t'es. Tu vois Ça se trouve, lui, c'est un FR. Il est venu sur mon chat et il m'a dit Putain, j'ai fait une game de diamant. Je suis tombé avec un ball chaser. Je pouvais pas toucher une balle, c'était horrible. Tu vois Son contrôle-car. oui, il y a un contrôle-car absurde. C'est vraiment bizarre d'ailleurs, mais bon. Enfin. J'ai jamais vu ça, mais why not. Petit front flip. C'est vraiment bizarre. Hein. Euh... Ouais, mais t'as vu, il joue très mal Godlands, donc je suis désolé, moi pour moi, euh, la game est serrée. Hein. En vrai, les erreurs sont catastrophiques ici. Hein. Ouais, c'est un infinite dash et tout. En fait, le... le... Le niveau tactique est très, 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 très bas. C'est très, 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 très faible. Il n'y a pas de compréhension de Rocket League, là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, hein, en vrai. C est, c est, ça ressemble, tu vois. Ah oh oui, le car control est absurde. J'ai vu des... G y a, je bah, pff, en vrai, il a infinite dash peut-être mieux que moi. Son speed flip, c'est probablement l'équivalent du mien, à peu de choses près. Là, je connais des, des GC2 qui ont un car control équivalent. Hein. Euh, c'est niveau GC1 hein, quoi, le car contrôle ici. Hein. On va voir ce qu'il va proposer sur le mur. Ok, quand même un petit peu plus difficile. Ok, bon, c'est n'importe quoi. Donc, ça c'est pas au point. Donc, on voit que que ça c'est pas du tout maîtrisé. Euh, pourquoi pas je, je pense que ça sert à rien de faire ça. Je pense que t'es un freestyler surtout. Tu te considères comme un freestyler ou pas Non, non, ne panique pas, ça sert à rien, Neo Blacks. Vraiment, enfin, c'est pas mal, mais. Ok, parce que ça c'est du freestyle. Hein. 3 minutes 01. On est d'accord que là. Tu, tu, tu vois Tu fais ça là. Tu prends la balle. Tu fais ça. Tu fais ça. Et tu marques à 100%. Hein. Genre y a y a absolument aucun monde où je marque pas en faisant ça en diamant 1. Le mec si tu fais ça il va te traiter de smurf hein. Là encore une fois tes gars qui voit une araignée au plafond, qui prend un bazooka, il se met à 1 mètre du truc et bê <laughs> et il éclate la maison tu vois ce que je veux dire Ça sert à quoi de flipper z contre des types qui ne savent pas activer correctement leur caméra ballon en vrai, ça n'a aucun sens. Je pense que c'était juste un full free play player. Je vois pas autrement ce que ça. Et il rate l'araignée. Surtout. Probablement qu'il rate l'araignée. Là, y a... on est sur un joueur beaucoup trop free play, ouais. Je pense que c'est ça. Hein. C'est le joueur uniquement mécanique. Alors, c'est bizarre parce que souvent, les, les joueurs mécaniques, ils sont. C'est des ball chasers, souvent. Toi, on dirait que t'essayes de rota. C'est-à-dire que. En fait, t'es dans une toute nouvelle catégorie. Tu viens d'inventer une nouvelle catégorie. Un joueur qui est. Ni mécanique, ni tactique. T'es un joueur free play en fait. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Hein. C'est trop bizarre. Parce que là, euh... Ok. Tu vois, regarde là, lui, là. Tu... tu vois bien que Jumbo Swift là, il pourra pas arrêter quoi que ce soit là. Il sait même pas qu'on peut retoucher la balle, tu vois. Alors si si tu rates tout il va l'avoir, t'as vu Il prend son temps. Mais tu vois que lui il est meilleur que toi. Hein le jumbo là, c'est super ce qu'il a fait là. C'est adapté. En fait là, tenter un flip reset sur, sur des joueurs comme ça, ça n'a aucun sens. Tire tout droit Voilà. Tu vois c'est pour ça que je dis que t'es pas un joueur. Bon t'as raté ton tir. Alors c'est quoi le problème de ton tir là C'est que tu touches la balle et ensuite tu flips. Là t'as mal timé ton tir. On, on dirait... Vous savez ce qu'on dirait sur, euh... Mon cerveau me. me, me, me... T'es dans la matrice et il y a, y a. On t'a injecté des mécaniques via un logiciel, tu vois. Mais on t'a pas injecté le reste. <laughs> tu sais, là, je connais le kung fu. Genre, on t'a injecté des mécas, mais. Genre. Il euh... y a rien d'autre, tu vois. Là, t'as raté ton power shot. Mais tu vois que. T'as même pas besoin de Power Shot à ce Hélo Tu t'en rends compte ou pas Tu vois à quel point ton Flip Reset, il est... Il est... Il est... Il est meaningless, tu vois Arrêtez de, de... Non, non, ne me pas ban Venomaris... Euh... I know Rocket League, ouais Ah ouais, non mais mécaniquement... Ouais, mais, mais c'est pas adapté, du coup... Euh... Arrêtez de perma pour rien, les modos... Je sais pas ce que vous avez aujourd'hui... Je fais beaucoup de pause en ce moment, je suis pas susceptible. Mettez juste des Théo. Mais là, faut admettre que le mec est bizarre, donc euh, honnêtement, si les gens sont bizarres. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est pas un mechanical player, c'est qu'il rotate et tout. Mais tout est raté en vrai. Enfin, là, t'as rotaille pas mal. Le décollage. Ok, ça c'est pas terrible. Par rapport au reste, même si ça reste ok tiers. Il y a eu qu'un seul jump, j'ai l'impression. Mais c'est plutôt propre. Vous voyez, on n'est pas dans le délire d'un mechanical player qui fait n'importe quoi. Vous savez, le, le John le là. John le c'est encore un autre délire. Tu vois, c'est que lui, il part en triple reset tout le temps et il fait n'importe quoi. Lui, il est même pas... Il se considère pas comme freestyler. C'est encore autre chose. <laughs> Regardez comme c'est trop marrant. Regardez, là, il va de dash pour aller dans son camp. La balle va dans le camp adverse. <laughs> ok la rota très bien Ouais c'est bien N'avance pas trop Mais voilà t'es prêt t'es prêt Laisse faire ton mate Laisse le jouer Mais tu veux Mais le but c'est de marquer là Si vous foncez tous dans le corner Comment tu vas faire Pourquoi tu leur fonces dessus Mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est pas possible Mais je comprends pas comment c'est possible hein. Mais c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. Mais c'est un prank ce coaching, c'est pas possible. C'est un, un prank, hein. c'est un poisson d'avril, je vais finir sur TikTok là. Genre, je, co je comprends pas comment on peut arriver, genre le mec se pointe sur un terrain de tennis, en sandales, avec une raquette de badminton. Je, je, je veux dire, comment on peut à ce point là ne pas comprendre les règles du jeu Mais c'est même pas du ball chase, il ball chase même pas la balle. Il va tout droit pour aller faire quoi là On sait même pas ce qu'il fait Et là il est patient C'est un coachable, je comprends pas. Alors, le but du jeu, c'est de mettre la balle dans le but. Je sais pas, y a... Ça, c'est pas acquis. T'as pas compris le principe du jeu en fait. Tu t'es rasé ta gueule. <rire> <rire> C'est ce con de coiffeur qui m'a raté, voilà! Il s'est trompé de coupe, ce bâtard là! On dirait un. Footix de 22 ans là! Putain de dégradé de merde! Pourquoi tu wave dash là? C'est quoi le projet? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là dans ta tête pour que tu wave dash? T'as osé lui dire, bah non! Non mais elle est pas ratée la coupe, c'est juste la coupe de, de mon voisin de 22 ans qui aime le foot, tu vois! Le problème c'est pas qu'elle ait réussi ou raté, c'est que c'est pas ma coupe en fait. Voilà. Pourquoi tu wave dash là Genre je genre. Je... Dire... Oui non mais c'est très bien, très bien, juste je me reconnais pas mais... Genre je... Il faut que tu tu as... Pourquoi tu vas à 2000 à l'heure Prends ton temps, mais mets la balle dans le trou. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible là, dans ce principe simple Qu'est-ce qui s'est passé dans ton apprentissage du jeu Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne comprennes pas à ce point là le principe du jeu Pourquoi tu vas vite là t as, t as, euh, Essaye de mettre la balle dans le trou. Pourquoi tu fonces là pourquoi t'es en full speed Qu'est-ce qui se passe J'arrive pas à comprendre. C'est vrai, c'est trop dur. Je sais, annonce mate, on connaît les joueurs depuis 6 mois. On s'en branle, je m'en tape là. Ils vont faire, ouais, euh, on aime les valeurs sportives, de l'amour et tout, acheter nos maillots. Voilà, bon. On connaît les joueurs depuis longtemps, on s'en fout. Genre. C'est pour les fans. Vous avez vous adoré ça, tant mieux pour vous. Allez regarder. Voilà, revenez après. Surtout si vous êtes dire Genre, je. je, je je comprends pas pourquoi vous essayez pas de faire simple. Comment on arrive là en fait Franchement, je me pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un truc qui s'est passé. Il y, y a un mécanisme dans l'apprentissage qui fait que. Là, honnêtement, je suis pas sûr que tu joues à Rocket League en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas À ce stade, j'ai un doute. C'est encore un autre jeu là. Il faut que tu t'appliques pour pousser la balle dans le but. Tu vois ce que je veux dire Là t'es loin, loin, loin là. Il fallait absolument le prendre ce coaching. Hein. Sinon ta carrière c'est fini. Là, là, ce qui est terrible c'est qu'on dirait que t'as compris des trucs de rotation et t'as des mécaniques de fou. Mais tu peux pas carrer en diamant parce que t'as pas compris le but du jeu. Mais à un niveau fondamental, tu comprends ce que je veux dire Ok. Ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, je suis même pas sûr de ça. C est, c est, c est, mécaniquement, c'est très bien joué, mais t'essaies de mettre la balle dans le but là. Qu'est-ce que tu de faire là Pourquoi tu la suis cette balle Là maintenant là Là tu boostes vers la balle Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer ensuite J'ai compris, il faut jouer comme des golds en diamant 1. Mais, 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 mais. Pourquoi non Faut jouer comme un diamant 1 Qu'est-ce que vous comprenez pas non, en gold, tu dois jouer comme un gold et en diamant comme un diamant. Non, t'as pas compris. Genre là, tu veux passer le mec en dessous, ok Très bien. Et ensuite... Voilà, c'est tout. Là, tu vas foncer là et tu vas misread. Voilà. P Pourquoi tu fonces là -ouh, ouh, 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 Comment ça se passe dans ta tête Pourquoi tu vas sur ce ballon Qu'est-ce Qu que tu veux faire là Comment ça se passe dans ta tête C'est quoi l'objectif du jeu là Le principe Qu'est-ce que... Là 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 maintenant là dans ta tête il se passe quoi Le boost Tu veux prendre le boost Ben non parce que le but du jeu c'est pas de prendre le boost Ah c'est légendaire hein Là je, 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 je suis démuni hein J'ai jamais vu ça Je... Je pensais pas qu'on pouvait pas comprendre le principe du jeu Et d'être aussi doué parce qu'attendez le mec il est super fort mécaniquement. Il faut que tu fasses un jeu d'adresse. Genre, t'as essayé de jongler un peu dans la vie Le jonglage. Un truc où il n'y a pas de but, où juste il faut être doué, quoi. Parce que t'es très doué, hein attention hein Juste que t'as pas compris le principe du jeu. J'ai jamais vu ça. Je pense quelqu'un qui a jamais touché au jeu... Il a, il, son gameplay est plus sensé que le tien. Tu vois ce que je veux dire T'as as, as perdu, perdu, perdu le principe du... T'as perdu, en cours de route, en cours d'apprentissage, t'as perdu le principe du jeu. Pourquoi tu lui fonces dessus Tu vas en goal là. Oh là là, belle passe. Putain. Tu vois En fait, il faut que t'essaies d'empêcher la balle d'arriver devant ton but. Donc tu dois pas être là, par exemple. Ça, ça n'a pas de sens. Ça, il faut pas le faire. Il faut que tu retournes aux sources. Que tu oublies tout ce que tu sais faire. Et qu'on revienne à des bases saines, là. Il faut que tu retrouves la naïveté d'un débutant. Je sais pas quoi dire. Non, mais je pense que c'est un prank, là. À ce stade, c'est sûr. Allez, c'est bon, arrête tes conneries. Là je peux pas croire que c'est que c'est que c'est que c'est pas un prank. Pourquoi tu. Pourquoi tu flippes Pourquoi t'as fait ça qu'est-ce que tu veux que je te dise Je pense mon chat, il a un meilleur gain sense que toi. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est. Pousse la balle dans le but. Pourquoi tu flippes tu, tu comprends pas à quoi ça sert de flic En fait, je sais pas comment te coacher sans te prendre pour un. Tu vois J'aurais pas fait ça si je perdais. Oui, mais justement, c'est ça. T'as perdu, perdu le sens de tout. Il tente des trucs. Arrêtez de tenter des trucs, surtout quand ça sert à rien. Essayez d'apprendre à bien jouer. On, on joue comme on, on s'entraîne. Si tu prends l'habitude de faire des flics sur la crossbar, tu auras, auras envie de le faire alors qu'il n'y a, a pas 4-2, tu vois. faut jouer simplement comme des golds. Mais non, mais les golds, c'est encore pire. C'est simplement comme un diamant. Mais attends, on joue simplement jusqu'en C2, hein. Il n'y a pas que les golds qui jouent simplement. En fait, c'est même pas. Non, ne soyez pas condescendants. Déjà, je, 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 je traharde de fou pour essayer de ne pas être. Un... Mais je sais pas quoi dire en fait. C'est. Mets la balle dans le but. En fait, il faut que la mécanique. En fait, flip. Désolé, je, je, je suis obligé d'expliquer à quoi sert un flip. Un flip, ça sert à propulser la balle pour qu'un défenseur soit surpris et n'arrive pas à l'attraper et que ça le passe quoi. En fait, tu projettes le ballon et ça passe par-dessus un, un, un défenseur. Ça sert à ça un flip. Je suis obligé de revenir à ça. Je suis obligé de revenir à ces fondamentaux-là. Parce que c'est ça qui t'a pas. Tu vois, tout ce que tu fais n'a aucun sens. Genre, tu, tu... pourquoi tu flips Pourquoi tu bolches à zéro boost Là, t'as zéro boost. Tu cours après. Regarde ton mate. Il comprend pas ce que tu fais là. Tu vois bien que tu gênes là Ton mate il est perdu, il n'en peut plus. Donc quand tu... Il faut que tu pousses la balle dans le sens des oranges. Donc si elle va dans ton camp, ne cours pas après, repositionne-toi côté opposé. Ah ouais, non, là j'ai jamais vu ça. Moi je suis surpris même que tu sois diamant. Hein. Honnêtement, tes mes te carry en diamant 1, mais euh... honnêtement, j'ai vu des mecs, day one, genre première heure de jeu, c'était mieux. Hein. Tactiquement et tout. Hein. Genre vraiment, en fait, quelqu'un qui n'a jamais joué est meilleur que toi, en fait. Là, t'as un niveau qui est dans le négatif. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est en dessous de zéro. Bah, je suis désolé, je, je. Ah non, mais il faut se remettre en question. Mais par contre, mécaniquement, c'est exceptionnel. Non, parce que vous allez dire, je trash. Mécaniquement, c'est exceptionnel. Si tu apprends à réfléchir, tu vas monter très haut. Hein. Moi, j'ai vu des C3, ils avaient moins de méca que ça. Hein. Le pauvre arrête. Eh, hey, on est là pour dire les termes. Attendez, je fais des compliments aussi. Oh! Non non mais là il faut qu'il y ait une prise de conscience là. Il faut reprendre tout calmement. C'est-à-dire que tu t'es mis des trucs dans la tête qui font que. Mais c'est pas grave, on peut, on, peut, on, peut, on peut rattraper. Mais là, euh... ah, je suis désolé. Euh... Ah bon, bah, vous, vous, vous savez comment on est ici hein On dit les termes. Bon après mécaniquement attention. eh, hey, vous moquez pas de lui hein. Lui speed flip hein. Vous savez speedflip dans le chat vous Vous foutez pas de sa gueule hein Il a fini de dash et il speedflip lui hein Que d'un côté le speedflip c'est pour aller tout droit T'as voulu faire une vanne Mais c'est pas possible Sérieusement Bannez le Que tu fasses un speedflip dans un sens ou dans l'autre ça change rien c'est pour aller tout droit le speedflip flip. Euh... <laughs> il s'est de mais que d'un côté <laughs> C'est sérieux là On en est là C'est ça le niveau du chat Mais attention avant de taper un truc quand même hein Bon Alors je suis désolé mais il faut tout reprendre Donc là quand la balle elle va vers ton camp En fait quand t'es Essayons d'expliquer de, différemment Là La balle elle va Vers ton camp. Si toi tu peux la voir pour la pousser vers de face, vers le camp adverse, tu vois, il faut la ramener dans le camp d'en face, ok Si la balle va vers ton camp et que tu lui cours après, bah tu vas repasser devant ton but, tu vas faire tout le tour avant d'arriver là-bas. C'est pas très opti, t'es d'accord Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la technique de couper la trajectoire. Comme on sait que la balle va faire cette trajectoire-là, obligatoirement le, le terrain il est en dur, hein, on peut pas passer au travers. Il faut que tu ailles par là, tu vois Donc si la balle fait comme ça là, et que toi es là là, par exemple, bah il faut pas suivre la balle parce que sinon tu vas la suivre et, et comme elle avance et que toi aussi, bah vous allez jamais vous toucher. Si la balle avance et que tu la suis. D'accord que ça marche pas. Par contre, si tu décides de pas la suivre mais de l'attendre là où elle va aller. Et ben là, tu vas pouvoir euh, l'attraper parce que elle va venir vers toi. Tu comprends? L'objectif, c'est d'aller que la balle vienne vers toi pour la pousser dans le camp d'en face. Donc là, euh, je sais pas pourquoi tu prends du boost maintenant. Mais c'est pas le moment. Alors quand est-ce qu'on prend le boost Les gros boosts, on les prend après une action. Donc là, ton but c'est d'attraper la boule. Là, tu vois typiquement, faut repartir, pas par là, parce que sinon tu vas, tu vas pas être dans le bon sens. Tu vois, le camp orange est là-bas. Les ennemis, ils sont là-bas, là. Ça, c'est les méchants, ok C'est là où tu veux aller. Tu veux aller là, là. Ok Donc, il faut pas que tu que ailles des trajectoires qui aillent vers là. Il faut que tu te débrouilles pour aller vers là. Là, tu es à contresens complètement. Il faut que tu ailles vers le but d'en face. Quand tu accélères, tu es censé aller vers le but d'en face. Ok Donc là, il aurait fallu partir par là. Tu vois Sinon tu, tu attaques contre ton camp en fait Tu vois là et là tu vois t'es embêté là Parce que T'es sur la balle mais tu vas pas dans le bon sens Du coup t'es obligé de faire un contrôle orienté une toute turn Et tu vois regarde Worst Nightmare là qui, qui a un pseudo incroyable d'ailleurs adapté à la situation Il se demande ce que tu fous là Tu le gênes là Tu vois tu l'empêches d'aller sur le ballon Là ton mate il est en 3v1 là parce que il est pas très bon, mais il a compris qu'il fallait aller vers le camp d'en face. Ce qui fait qu'il qu est à peu près ton niveau, du coup. Vous êtes au même niveau parce que toi, t'as pas compris qu'il faut aller vers le camp d'en face. C'est quand même triste. Juste à comprendre ça, et tu verras, tu vas prendre trois ans Tu vois là ça marche pas bien tu vois. Regarde là tu gênes, là tu la bump, là tu refonces là on dirait que t'attaques, hein. là tu rebump ton mate, là tu. Là tu t'en vas, ça y est. Donc là dans l'action ton mate il est en 3v1, tu, re... tu reconnais le 3v1 là quand même Tu vois bien que ton mate est tout seul là. Contre vous trois là. Il s'en va car il a plus de boost, ouais. Parce qu'en fait tu... tu joues contre ton camp là, tu de marquer dans ton camp. Petit wave dash juste avant une touch, et du coup tu rates. Oh bon, alors évidemment, on saute pas avant un challenge, mais surtout pour wave dash et raté Tu vois, je sais pas pourquoi tu fais tous ces petits wave dash, ça sert absolument à rien. Ok, voilà. Donc là, ton mate est devant, donc il faut que tu lui laisses. En fait, il est, il est devant, donc il peut pas te voir. En fait, il te voit pas parce qu'en fait, il a pas de rétro. Il y a pas de rétro. Donc c'est celui qui est le plus près devant qui va. Tu vois Et il faut pas être à deux sur la balle parce que si y en a un qui centre et que les deux veulent entrer, personne peut tirer. Il y a même des coups de caméra pour prendre de l'info. OK, ouais. Ok, ok. Euh, bon, et bah, écoute, petit vocal là. Oui Ouais, re, Alors, je vais répéter ce que tu dis pour les gens parce qu'on ne t'entend pas sur. Euh... D'accord, ok. Euh, bon, alors, est-ce que tu t'attendais à ça euh, Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as enregistré cette game Tu t'es dit quoi Mais en fait, je pense qu'il y a des moments où j'essaie vraiment de me concentrer. Par exemple, les moments où t'as dit que je suis, suis patient, à un moment, je l'ai été, je crois. Et euh, en fait, je crois que c'est quand je me concentre, j'arrive à faire des bonnes choses. Et quand je, je suis. T'as un problème de concentration, ça que tu nous dis. Peut-être, je me dis que c'est okay. ça parce que quand je me vois en replay, mais je m'imaginais vraiment pas que c'était aussi grave que ça. Je... Bah, en fait, on... c'est-à-dire qu'on dirait pas que tu juste essaies de jouer la game, tu vois. Il mmh. y a, je sais pas comment c'est possible d'arriver à un son aussi bas. J'ai tout mis à fond, il y a rien à faire. On va pas. Voilà, voilà. Euh, désolé pour le micro, y a, je répéterai ce qu'il dit, et ce qu dit. c'est tout. Je vais couper peut-être la musique, comme ça. Ça peut aider, des fois que vous tendiez bien à l'oreille. Euh... Je, voilà, je, je pense que tu t'es mis beaucoup de choses dans la tête. Mmh. Plein de choses. Et que tu as perdu complètement le naturel, tu vois, le, la logique tu vois du jeu ouais. en fait j'essaie d'aller trop vite non ah ben bah oui tu vas trop vite oui mais a, en fait c'est même pas que tu vas trop vite c'est que tout ce que tu fais n'a pas de sens par rapport à ce qu'il faut faire tu vois cest dire que c'est très random des fois tu vas trop vite des fois tu vas trop lentement en fait c'est complètement flip coin c'est tout est hasardeux on, on, ton decision making n'est basé sur aucune observation et t'as pas de plan tu vois Ouais. Enfin, on dirait que tu réfléchis pas du tout et que tu t'es tu, tu, complètement au hasard, tu vas vers la balle, tu fais des trucs. Euh... Tu fais du 1v1 un petit peu ou pas euh, Ouais. Ouais je... Ça m'étonne pas. T'en fais beaucoup Je pense que je fais plus de 2v2 que de 1v1. Ok. Mais et t'es classé quoi en 1v1 euh, Platine 3. Ouais, quasiment pareil. <laughs> Donc, faut que tu comprennes que c'est pas normal. Hein. Normalement, on a trois rangs au-dessus en 2v2 qu'en 1v1. Hein. Ah ouais Ouais. La plupart des GC1 2v2 sont dans le C1 C2 en 1v1. Ah oui. D'accord. Donc là, si t'es Platine 3 Diamant 1, t'affrontes des types qui en 2v2 sont très probablement euh, C2 C3. Ah oui ok. Les pla Platine 3 1v1, t'as beaucoup de C1 C2. Je pense. D'accord voilà euh, après c'est pas le cas de tout le monde hein. évidemment souvent c'est parce que les gens jouent pas dans le mode mais euh... Euh... voilà c'est il faut que tu prennes conscience de ton faut vraiment que tu reviennes à quelque chose de de plus simple en fait parce qu'il y a des en fait il y a des trucs il y a des logiques basiques que t'as pas qui font que... Par exemple, si ton mate est sur le côté, il va centrer, t'es d'accord Ouais. Pourquoi tu fonces pour lui prendre la balle et centrer à sa place Qui marque <laughs> en, ai aucune idée. en fait, tu vois, je veux dire, il y a tellement pas de... de, 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 de C'est très, très con, mais je sais pas comment te le dire autrement, en fait. J'ai pas de moyen d'être... Euh, d'adoucir le truc, en fait. T'as ton mate, il essaie de centrer, tu lui fonces dessus pour centrer à sa place <laughs> Qui est-ce qui marque Genre, euh... tu vois Alors on dirait que t'as t'essayes de faire des rotations. Ouais. Mais on sent que tu comprends pas bien pourquoi. Tu vois, tu y vas parce que je l'ai dit. Tu vois Ouais, peut-être. Je pense qu'il faut que t'arrêtes d'appliquer des trucs que tu vois, que t'oublies un petit peu. Il faut que tu reviennes aux fondamentaux là. Ok. Je pense que quelqu'un qui n'y connaît rien au jeu, il pourrait te coacher. Quelqu'un qui sait même pas ce que c'est Rocket League, il te regarde et il peut expliquer pourquoi tu perds. Parce que c'est. C'est obvious, tu vois. Il ouais. n'y a pas de. faut faire tel méca, on n'est on est pas du tout dans ça. On est vraiment encore sur autre chose, tu vois. C'est-à-dire que. Quand à la balle, essaie de la pousser dans le but, en fait. Ouais. Le plus fort possible. Et quand tu peux pas avoir la balle, bah tu recules et tu retournes après. Okay. Essaye de faire ça. Tu vois Carrément m'arrêter en plein milieu de... Non, tu t'arrêtes pas. Pourquoi tu veux t'arrêter Je pense au moment où j'étais euh, au début de la partie, quand j'étais au back post et je suis allé à fond sur la balle. Ouais, tu fonces alors qu'il n'y bon, a pas besoin. Attends qu'elle vienne. Fallu, il aurait fallu que je m'arrête là carrément ou... Tu freines un peu. Pas besoin de s'arrêter complètement. S'arrêter complètement, c'est chiant. En fait, il aurait juste fallu prendre plus son temps. Ok. Tu vois, c'est ça le problème d'avoir des bonnes mechas et de... des mechas trop fortes par rapport au reste. Parce que tu vois, si tu savais pas accélérer, tu serais allé plus lentement et au final, tu aurais pas pris le but. <laughs> en fait, tu es victime de ta capacité d'accélérer brutalement. On a besoin d'accélérer autant à un niveau bien plus élevé. On est d'accord qu'une game comme ça, un joueur à peine GC1, il gagne sans utiliser sa touche boost. Hein. Là, une game de ce niveau-là, juste en te baladant et en faisant quelques flips, tu mets 8-0 à n'importe qui. Il n'y a même pas besoin de booster là. Le jeu il va à deux à l'heure, les gens poussent la balle devant eux. Bon évidemment, je ne te demande pas de faire ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nécessaire d'aller vite dans une game comme ça. Une game de ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'aller vite. T'attends un petit peu loin qu'il pousse la balle vers toi et tu la pousses vers le but. Tu fais ça plusieurs fois et à un moment ça va rentrer. C'est ça que t'as perdu complètement, cette logique basique en fait. T'essayes de faire des trucs, on sait pas trop pourquoi. Des fois je vois les rotas côté opposé, c'est bien. Euh, tout est très... Euh comme si t'as vu, vu des bouts de gameplay. Et tu. Et tu. Et essaies de copier les trucs sans rapport avec ce qui se passe vraiment. Euh, un jour, tu vas tenter un flip reset, t'auras pas la balle. Hein. Genre, moi, plus rien m'étonne à ce stade. C'est à dire que. C'est. Tu vois C'est. C'est à dire que. <laughs> oui, je comprends, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est à dire. Là, là, on en est presque là, quoi. Tu vas air-drip sans le ballon, quoi. Ça n'a aucun sens. <laughs> tu vois Donc reviens aux bases là. Il faut vraiment, vraiment arrêter de se prendre la tête ou de pas se prendre la tête ou de juste essayer de revenir à quelque chose de très basique, de très simple. Les games elles sont. Enfin, t'as la méca pour éclater la game. Genre tes mécaniques elles sont beaucoup trop élevées pour ton niveau. Mais limite ça se retourne presque contre toi. Là, là, honnêtement, j'ai la sensation qu'on a filé une, une, une Ferrari à un enfant de 11 ans. C'est littéralement ce que je vois là. Si je devais faire une métaphore, tes mécaniques c'est la Ferrari et, et le pilote ça déconne à fond. Genre euh, c'est trop, c'est dangereux. Tu vas, tu vas te blesser. Genre, <laughs> genre parce que t'as l'air très doué en vrai. C est, c est, tes mécaniques c'est vraiment impressionnant. Moi je suis impressionné par tes mécaniques. C'est absurdement élevé pour ton, pour ton elo. Après, tu me dis que tu joues plus le free to play, donc ça fait longtemps que tu joues. Ouais, après j'ai fait une petite pause, mais oui. Ouais. Donc finalement, tu as des mécaniques de mecs qui, qui jouent depuis longtemps. Mais t as, t as, tu n'as évolué que mécaniquement, j'ai l'impression. Mmh. Peut-être que dans une game plus haut niveau, comme tout va plus vite, bah, sans trop faire exprès, tu t'en sortirais mieux. Mmh. Tu vois mmh. ce que je veux dire C'est-à-dire que même sans. Après, si, si je retourne dans le mauvais sens, je pense que ça va pas m'aider, quoi. Ouais, mais... Euh... Ce serait... Tu t'en sortirais mieux, je pense. Mais c'est un problème, parce que ça veut dire que tu aucune conscience de ce que tu fais. Oui. Tu avec ta Ferrari, tu cours partout, tu mets des tirs de fou, tu t'accélères trop bien, tu, tu vois. Mais euh, c'est... C'est euh... dangereux, quoi. <laughs> tu vas blesser quelqu'un. Tu vois <laughs> Et dès ouais. qu'un mec va freiner un peu, il va te mettre à la. En fait, t'as pas compris, t'arrives pas à comprendre tes mécas. Tu sais pas ce qu'il faut faire avec tout ça. T'as. T'as plein d'armes à disposition et tu sais pas à quoi elles servent. Et du coup, bah. Tu tires n'importe où, tu vois. Je sais pas comment dire. J'essaie de trouver des, des métaphores. Donc faut vraiment. Euh... Il faut vraiment que tu reviennes à un truc fondamental. On va regarder la game 2 rapidement parce que le temps est passé vite, je suis désolé. Je. Euh, c'est très dur de te coacher là hein, sur, euh, sur ça. Mais je, je, on va essayer de refaire une game. On va regarder rapidement. Et je vais te dire à chaque fois ce que tu aurais dû faire tout simplement. Tu vois. Ok En toute simplicité. Voilà. J'aime pas trop faire du coaching comme ça parce que c'est très. Euh... Mais toi, il faut qu'on en revienne à ça. Donc on va on va faire ça. On va regarder vite fait. Ok remue toi et on enchaîne. Ça On y va. Le wave dash, ça sert à accélérer. Dans les transitions mur-sol ou pour les plus grands experts, sol-mur. Ça permet en fait d'accélérer, mais en utilisant une distance plus courte. Tu cancels l'animation de ton accélération. Donc tu accélères et tu reprends le contrôle de ta voiture plus vite. On y va et on va jouer tout simplement. Voilà, le follow. Là, il faut pousser la balle, éviter le joueur et marquer un but. Ouais, attends, j'aurais vu ta zap dash là. C'est fait express, hein Non, c'est pas fait express. Voilà, très bien, très bien, euh, tout va bien. Oui, mais Mangzou, c'est difficile, laisse tomber. Voilà, donc là, t'as pas de boost. Qu'est-ce qu'on fait On se repositionne pour prendre du boost. Allez, tu vas prendre du boost derrière. Voilà, tu vas prendre du boost, c'est très bien. Tu te rapproches, voilà, avec ta super mecha. On économise un peu le boost. Bon là, il est sur le mur, on va attendre qu'il retombe et on va essayer de marquer un but. Donc là, tu essaies de tirer dans le but. Très bien. Donc là, tu as raté, c'est dommage. En deux temps peut-être Dommage. Voilà, donc jusque-là, au moins, un décision-making, c'est très bien. Là, tu pas de boost, tu t'en vas. Tu vas prendre un boost. Allez, vas-y, va prendre un boost. Voilà, celui-là, si tu peux avoir le boost et la balle, c'est très bien. Sinon, tant pis, donc pas, pas terrible. Voilà. Là, hop, tu vas prendre la balle et essayer de la pousser dans le but bleu. Il arrive. Non 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 ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi tu la pousses et là c'est raté tu atterris là t'essaies de faire des trucs que tu sais pas faire et c'est n'importe quoi y a pas besoin de faire ça là il va avoir la balle en premier attention au tir on se positionne attention au tir voilà bien joué là tu pousses la balle et t'essaies d'aller dans le but en face ok donc c'est beaucoup mieux quand même cette game le contrôle c'est très bien tu t'es fait des mots ça arrive donc là en vrai j'ai pas grand chose à dire en c'est quand même beaucoup mieux que la game d'avant c'est beaucoup mieux que la game d'avant et ah bah ça va être but ils ont failli marquer contre leur camp. Là tu vas vers lui. Alors attention, t'es dernier défenseur, donc voilà, il faut pas trop se jeter. Donc là t'attends, lui on attend, il va tout rater. C'est d'avoir la balle, c'est bien joué. Allez, tu te repositionnes, tu laisses ton mate y aller. Tu te mets derrière lui. Ok, il veut pas y aller, bah du coup vas-y peut-être hein. Ok donc là on voit que t'as tilté. Donc là t'as pas réussi en fait à à capter que si ton mate il va pas, c'est à toi. Bon c'est pas très grave. Là il faut que tu te mettes derrière lui, tu vois. Ok. Là, t'attends, et tu go. Et voilà, tu vas marquer. il y a but. Oui en vrai ça va, c'est pas mal là à part le flip reset de fou, pour l'instant c'est bien. C'est plus calme là, c'est mieux. Ok, c'est raté ça arrive. Là tu vois déjà c'est un peu n'importe quoi. Ah non, j'aurais pas pris ce boost quand même. Bon, c'est un peu plus dur là ici, mais là tu vois, encore une fois, on a perdu de la, de la logique. T'as pas la balle, t'as pas de boost, tu te repositionnes en fait. Tu gagnes 2 à 0 en plus. Quand on a plus de boost, Et eh ben on, on, on va prendre un boost et on se repositionne, ok Là t'as bol chase, t'as raté à 0 boost et ton mate il a il a il a commit en P2. Oui mais tu vois, il faut que t'arrêtes de te dire des trucs. Essaye de revenir à des trucs très basiques. Tu verras ça marche bien. il Y a pas de sur un malentendu, je peux marquer. Juste fais les choses correctement. joue, joue correctement et tu vas gagner les games. Tu vois Là ok sur un malentendu, tu marques. Mais le mieux c'est encore de pas tenter parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Joue normalement, joue correctement. OK Salut Diego. Le mec t'aurait pas commis de péd on en sa on saura jamais, on s'en fout. Là, tu vois, tu vas pas dans le bon sens du jeu. Donc là tu essaies de faire des trucs compliqués. Donc là nah, ça non. Là cette balle, tu veux pas tirer dans ton camp. Donc tu la laisses, tu t'en vas et tu te repositionnes tranquillement. Cette balle elle fait de mal à personne. OK Laisse-la, euh, essaie pas de, 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 de faire des trucs compliqués. Là tu as fait une passe à l'adversaire et t'as failli te prendre un but. Tu t'en rends compte ou pas Là si tu la laisses, c'est mieux que si tu la prends. Ok Donc non Fais pas de trucs bizarres, pousse la balle, et suis-la. Attends qu'elle retombe, arrête de faire des trucs bizarres. Arrête de wave dans tous les sens, ça m'énerve. Repositionne... Oh. Allez, on se repositionne. Donc là, faut pas jeter, t'es dernier défenseur. Donc il faut aller... Ok. Ouais. Bon, ils ont bien joué. Allez, tu prends la balle, c'est de la pousser. Ouais, c'est dommage. Bien essayé. Petit manque de maîtrise, on va aller prendre le boost. Arrête de faire des trucs bizarres. Arrête de faire des trucs bizarres. Ok, ça c'est bien joué. Allez, petit flip. Dommage. Front flip, front flip. Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il veut le dust là Prends ton temps Il arrive On recule Ok, tu l'as pas vu. Ah, c'est pas si bon que ça parce qu'en fait, comme t'essayes de faire des trucs très durs, tu rates et du coup ça n'a pas d'effet. On rappelle que un tir de bazooka à côté de la cible ça fait rien hein. Il vaut mieux mettre une petite balle bien positionnée. Il n'y a aucune différence entre rater un flip reset, rater un double reset ou rater un power shot. Dans tous les cas, c'est raté. Non. C'est raté et t'as l'air con dans tous les cas. Le public te hue dans tous les cas. Okay. Tu vois là Ils sont allés tout droit. Regarde comme c'est bien joué ce qu'il a fait là. Tu vois, ça c'est exactement ce que vous devez faire. Ça, c'est la définition d'un bon joueur. Regardez bien. Il est loin, il prend son petit boost, il prend la balle, il la pousse une fois, et hop, il la repousse une deuxième fois. Ça, c'est une pure masterclass de diamant. C'est littéralement comme ça que vous pouvez carrer vos games en diamant. Ce qu'il a fait là, c'est un cours. Là, il vient de vous faire un tuto. Ça, c'est un petit tuto. Ça me fait plaisir, c'est pour lui. C'est gratos. Il vous explique comment gagner. Oh bah, c'est pas un hasard, Gotaga. Euh... S'il faisait ça. <laughs> non, 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 non Ouais Allez, pousse dans le but. Allez, boum Dommage. Allez, tu te repositionnes. Non, non, tu vas où Pourquoi Non Pourquoi tu vas prendre ce boost là Pourquoi tu vas sur le mur Ça y est, ça devient débile. Après avoir pris ton truc, tu te repositionnes dans ton camp. Là, on sait pas ce que tu fais, c'est la roue libre. Là, vous êtes sur le mur, donc laisse faire la gravité. Laisse-le à ton mate. Voilà, très bien. T'as hésité. Attends là et essaie de marquer. Voilà, c'est bien. Raté, dommage. Donc là. Tu retournes. Ok, donc là, t'es en full ball chase. Bon, c'est bien joué. Ton mate est parti, mais c'est du ball chase. Hein. Là, t'essayes de 2v1. T'as réussi parce que t'as des mechas de fou. Mais attention. L'infinite dash en diamant ça me ça me termine. C'est vraiment trop drôle quoi. Allez, tire dans le but Dans le but, dommage. Non 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 <laughs> Pourquoi tu veux absolument en faire un euh... là ton plan Ouais tu joues beaucoup trop au-dessus de ton... Mais arrête avec ton sura malentendu c'est pas comme ça qu'on gagne des games, il faut être, faut, faut être, faut être bon, il faut toucher. Pourquoi tu... Parce qu'il y a, y, a y a des mondes où... Il y a des mondes où il faut faire ça, mais dans un monde où tu te fais rush, le mec il attend là, t'as tout ton temps, t'as toute la journée pour la prendre cette balle. Arrêtez de rater. Arrêtez de tolérer l'échec sous prétexte que c'est dur. Moi je trouve que c'est une technique de lâche. Je dis pas que t'es un lâche, je dis que c'est une technique de lâche. D'essayer constamment des trucs difficiles et de rater et dire... Ah ouais mais c'était vachement difficile ce que j'ai essayé de faire. Moi je dis... Y a un monde où les gens comme ça, qui font plein de méca compliqués, vous cherchez juste à vous trouver des excuses. Genre, simple. Arrêtez de rater, en fait. C'est ce décharger. exactement. C'est comme ceux qui font que des passes, Chef George. Voilà, arrête de bump tes C'est dingue ça Idéo ce qui nous dit les passes c'est bien. Ok. Alors, dans une game, normalement, tu reçois autant de passes que tu en fais. Que tu fais de tirs. Regarde ta dernière game, compte les passes que t'as fait et compte les tirs que t'as fait. Si t'as pas à peu près autant de passes que de tirs, c'est que tu fais porter la responsabilité d'être bon à ton mate. Et que tu vis pour te faire carry. Après, j'ai aucun mal avec ça. Hein. Mais allez pas faire euh, MDR, mes mates sont nuls en faisant que des passes. Hein. C'est un peu facile ça. Il hein hein y, y en a qui font ça. Hein ils font des passes toute l'après-midi. Leurs mates n'arrivent pas à marquer et ils disent qu'ils sont nuls. <laughs> facile ça. Hein ça me dégoûte. Allez. Es fini. Bah GG. Bon, c'était un petit peu mieux, mais t'as encore fait des trucs bizarres. Genre essaie de t'accrocher à quelque chose de vraiment euh, simpliste. Bon vas-y, démute-toi vite fait. Bon, de toute façon, on a déjà passé l'heure hein. Oui. Bon, euh, c'était un peu mieux. Mmh. On sent quand même que. On sent quand même que c'était mieux, que t'étais moins tilté. Mais il y a encore ce, cette folie des fois qui part à tenter des trucs dormir. En fait, t'essayes de faire des choses trop difficiles. Et je ne sais pas pourquoi. En fait, arrête de rater. Mmh. Genre, je ne sais pas pourquoi tu te tolères de rater autant quand tu joues. Je ne sais pas quel mécanisme fait que... Ah bah dommage, j'ai raté. Tu vois, le ride sur le mur, le tir là. Genre, tu passes à côté. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête C'est en mode... Euh... Moi, je, je me dis qu'il y a bien un moment où je vais y arriver si je plein de fois. Quoi. Non. Non, parce que tu sais pas faire le truc en dessous. T'as plein de fois, t'as eu l'opportunité de tirer simplement et ça marche pas. En fait, il faut que tu, le, tu, que tu essayes de le faire quand, quand t'as un adversaire qui te challenge. Là, t'essayes de le faire alors que c'est pas nécessaire. Par conséquent, tu t'entraînes à mal jouer. Est-ce que tu comprends ça Ouais. Les okay. gens qui disent j'essaye comme ça, je progresse. Vous vous entraînez à être complètement con en game. <laughs> vous, vous entraînez moins vos mécaniques. Que vous perdez du niveau en intelligence de jeu. C'est un malus, vous vous apprenez à mal jouer. Il faut marquer des buts pour monter en Hello et avec votre méthode, quand ça ne marche plus, il faut trouver de nouvelles solutions. Et c'est là où vous essayez des nouvelles solutions. Faire des triple resets pour marquer euh, sous prétexte que vous vous entraînez en, en C2, ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin de ça en C2. Si tu ne sais pas marquer contre un C2 avec un power shot, c'est que tu ne sais pas power shot. Si tu ne sais pas power shot, ça ne sert à rien de s'entraîner à marquer des buts contre des types qui sont ultra forts pour bloquer les double resets. Tu vois ce que je veux dire Ouais, en fait, j'ai pris le problème à l'envers. Complètement à l'envers. Reviens aux bases, joue simple, va un peu moins vite. C'est bien tes mécaniques d'accélération elles sont cool, elles te serviront plus tard, à ce hélo, t'as pas besoin d'aller aussi vite. Petite accélération, bon positionnement, vise, tire, fais un beau tir, marque, monte C2. Ensuite, tu reviens me voir. <laughs> C2 a du chemin quand même. Bah en vrai t'as largement, les... là t'as les mechas pour être C3 hein. Non en vrai ah, non. Ouais. Bah en fait on sait pas, parce que tu rates tout ce que tu essayes. En vrai non. C'est à dire que en gros t'as rien là. C'est pour ça que t'es diamant, tu sais pas tirer. T'as eu plein d'opportunités de tir, tu tires à côté. Tu sais pas flip reset, t'as essayé deux fois, ça a été l'accident. Tu sais pas euh, wall shot, t'as essayé là dans la game, t'as raté. En fait, tu es un peu ok partout. Les seuls trucs que tu fais bien, c'est les mécaniques d'accélération et encore tes wave dash, ils sont random. Le seul truc qu'on a vu de vraiment solide, c'est les accélérations avec le speed flip. C'est la seule méca que je t'ai vu réussir de manière régue sur les deux games. Donc en fait, toi, ce que t'as fait, c'est que t'as pris tous les mécas qui te plaisent et t'essaies de les apprendre. Mm. Voilà. Et là, t'arrives en diamant, t'as. Une notion très floue de la tactique et du principe même du jeu. Aucune mécanique maîtrisée. T'as pas maîtrisé les mécaniques de base. Tu vois C'est pas maîtriser les bases. C'est pas maîtriser. T'essayes de maîtriser les. Tu vois, tu commences à construire ta maison par le toit. Ça va pas marcher. Hein. Tu vas y rester longtemps en diamant. Parce que là, on est d'accord que pour gagner cette game, il aurait fallu faire un one shot de fou pour marquer à ce moment-là. Mais ce bol shot, il te manque 2000 heures de jeu pour le mettre. 2000 heures Pour réguler un tir comme ça, 2000 heures. C'est un shot de niveau GC. Donc là, t'es diamant pendant encore 2000 heures en fait. Bah ah oui Si ouais. t'essayes de faire un truc qui nécessite 2000 heures d'entraînement de plus, et que tu fais que des trucs qui nécessitent 2000, 3000, 4000, 5000, 5000 heures d'entraînement, tant que t'as pas fait ces 5000 heures d'entraînement, tu gagneras pas la game pour gagner en diamant 1, il faut faire des mécaniques qui demandent 200, 300 heures de jeu. Et tu passeras C1. En C1, tu vas devoir faire des tactiques et des techniques qui demandent euh, 1000, 1200 heures de jeu. Et une fois que tu les maîtrises, tu vas pouvoir passer C2. En C2, c'est des techniques qui demandent 1500, 1600 heures. Et quand tu arrives en SSL, pour battre un type, bah, il faut 10 000 heures de jeu. 8000 heures de jeu. Allez. Ok. C'est tout. Toi, t'essaies d'apprendre des, des, des techniques qui marcheraient si tu savais les faire contre des types qui ont cinq pires de jeu. Et comme t'en as euh, 1000, bah ça marche pas. Du coup, t'es diamant. Les techniques qu'il faut que j'apprenne, les basiques, c'est quoi Tire Là, euh, t'as raté tout tes tirs. Je suis désolé. Les tirs, c'est une catastrophe. Ok. Tu sais pas tirer. T'as raté tout tes tirs, quasiment. Ok. Et du coup, ça pour m'entraîner, juste, je fais plus de duo et ça va venir ou euh, du duo, tu peux faire, euh, tu peux faire euh, des power shots, en... tu peux faire des training packs. Pour les dribbles, je vois que tu essaies de contrôler les flics, ça me paraît un peu difficile pour ton niveau, même si tu y arrives bien. Tu peux continuer à faire ça ou alors faire du bounce dribbling aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais, ça j'ai vu. Ça c'est plus simple et c'est plus basique et c'est important de bien savoir le faire. Donc ça, il faut que tu reviennes à ça, aux bases, et que tu smashes tes games, en fait. T'as largement... Mécaniquement, t'as l'air très doué. Donc euh, ça se voit, ça se voit, ça se voit que tu es à l'aise mécaniquement. Donc, euh, apprends des techniques réalisables pour ton temps de jeu, bats tes adversaires, et tu arriveras au halo où auras besoin d'apprendre tous ces trucs flashy. OK OK. Et y arriveras très bien. Mais d'abord, faut apprendre à battre ces mecs. Ouais. Sans flip -risettes. Oui. Bah oui! Flip prise euh, même en C2, C3, c'est absurde d'en voir! C un idiot, oui, je suis je pas même pas. en GC1, t'en vois très peu! Je parle des vrais, hein, commencez pas à me tartiner là! Ce, hey, je sais flip reset en platine, voilà, vous êtes comme lui, c est, c est, ça va nulle part! j'ai pas dit que je savais le faire! Hein. Mmh. Oui, mais t'essayes! Si t'essayes, ça veut dire que soit t'es un freestyler, et apparemment tu me dis que non, soit t'as pas compris le jeu en fait, tu vois! Donc il faut que tu revoies ça. Mais euh, il y, y a plein de choses. Hein. Même tes rotas là c'était bien. As tu fais que challenge et tout. C'est drôle parce que tu fais que challenge des types qui te regardent pas. En fait il faut comprendre qu'en diamant les mecs ne te voient pas. Hein. Ne te regardent pas. Hein. T'appliques des techniques. Même tes techniques défensives sont pas hyper adaptées. Hein. Un diamant normalement, un diamant 1, il ne regarde pas l'adversaire arriver. Il le voit que quand il est collé dans son champ de vision. Mais un, un diamant il voit que le ballon. Hein. Il voit rien d'autre. Hein. Donc, même le fake challenge, c'est overkill, enfin c'est bizarre, tu vois. Mais bon. Même quand je suis P2 Bah euh, oui, parce que Shadow défense contre un type qui te voit pas, c'est le meilleur moyen de se faire surprendre. Hein. Parce que comme, il, comme, il, comme ce qu'il va faire n'a aucun sens puisqu'il te regarde pas, euh, il va tirer euh, sur toi, tu vas paniquer, tu vas backflip, tu vois. En fait, c'est dur de défendre contre un type qui te regarde pas. Le mieux, c'est d'aller sur la balle proprement. Mais bon. Euh, Proprement, au bon moment. En vrai, garde les fake change. Ils sont bien, tes fake change. Garde-les en P2, c'est bien. J'essaie je... okay. juste de t'expliquer à quel point tout ton gameplay overkill, tu vois. Oui. C'est ça que je veux dire. Mais c'est bien, en vrai, ils sont bien, tes fake change. C'est mieux que de rush et de rater. Mais euh... voilà. Il va souvent te faire la balle. Quand on prend la balle, pousse la balle dans le but, tu la lèves, quitte aérienne, tu tires, tu marques, et voilà. Ok Okay. Bon, je dois aller en scrim. Euh, tu me tiens au jus. Bon, et encore une fois, tu te décourages pas. Il hein. y a plein de bonnes choses. Juste, tu t'es un peu perdu. On te récupère, on te remet sur les rails. Ok Et tout ira bien. Hein. Ça va. Laisse les rageux, les rageux dire ni gna Je sais pas quoi. Hein. Juste. Euh, voilà. Tu t'es un peu égaré. Ok C'est pas grave. Ça veut pas dire que t'es nul. Ça veut pas dire que t'es bête. T'as pris le mauvais chemin. Et euh, du coup. On te récupère, on te remet dans le droit chemin et tu passes C1, ok Là en vrai, euh, ça peut aller vite. Hein. Okay. Je pense, je pense oui. que ça peut aller très très vite. Ça peut aller oh. très 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 vite. Tu non reprends un petit peu, le, voilà, le contrôle de la situation. T'arrêtes les flip-resets et les trucs bizarres. Calmement, observes ton adversaire. Ok, il s'en va. Je prends la balle. Je fais un beau tir. Tu vois Déjà, c'est le diam 3, hein, instantanément. Hein. Et après, pourquoi pas passer C1 avec tes belles accélérations et tout. Ça peut aller très très vite. Genre, ai... honnêtement, tu reprends un peu le contrôle voilà, de tout ça. Tu fais un petit reset mental euh, tactique et tout ça. Et tu, tu peux passer très très vite C1. Très très vite. Hein. Okay. Voilà. T'as un car contrôle niveau C3. Donc, euh, en arrêtant de faire n'importe quoi, tu, 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 vas, euh, tu vas y arriver. Ok Okay, okay. Bon, et je file parce que je suis à la bourre. On se tient au okay. juste. T'as des questions, t'hésites pas, ok Ça marche. Bon, allez, bon, bon, bisous, salut. Prends soin de toi, entraîne-toi bien. Merci, bonne soirée. C'était incroyable ce coaching. Bon, alors L'annonce, mate Bah, l'annonce, mate, on la connaît depuis longtemps, non Non, le scrim, je le live pas. Pour l'instant. C'est pour ça que je stream peu. Là, il y a deux raisons pour lesquelles je stream peu. En... Je stream peu. C'est que je scream off live. Là, je vais jusqu'à minuit là. Et euh, minuit et demi, une heure. Et aussi, euh, la deuxième raison, c'est que j'ai beaucoup de travail off-live sur les papiers, parce que je suis en train de faire ma boîte et tout. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous avez peu de live. Tout va bien pour moi, ok Je me repose un peu. Je m'occupe euh, de mes petites affaires. Je prends soin de moi, parce que ça va reprendre avec les RLCS en, en fin janvier, début février. Donc je me repose. Voilà. Tout va bien, ok Godland, je te fais un petit Théo, je, je viens de dire, je scream off live pour ne pas que les noms euh, sortent et toi tu notes le nom. Bizarre, Godland. Bon, de toute façon, le stream, le stream est fini. Euh, bizarre. Hein, ne sois pas vexé, hein, mais là, je. Bizarre. Alors, euh, Gentleman, là. Ça c'est euh, quoi ça c'est ça c'est pas Rocket League ça? Voilà alors je vais regarder ça On va regarder ça euh, C'est en partenariat avec Alpine c'est ça? Ils ont trouvé un bon partenaire euh, Alors euh, je vais mettre en écran actif Oui je connais le la, la team on la connaît depuis longtemps hein. moi c'est le trailer que je veux voir Gentleman Alpine, ok <laughs> trop marrant, T'as les prods avec le petit Aldi derrière, les bros de Aldi, <laughs> j'arrive pas à les prendre sérieux, quel boss Squeezie quand même, Thor <laughs> Studio, il est trop fort Squeezie j'aime trop c'est pas lui qui conduit Ceci est doublé... Là, c'est lui en ligne droite. Là, c'est plus lui. Putain, c'est... Solide... Ah, quel bro L'acteur studio Ah, Gotaga, putain, la vache Oh, les frimeurs, les grosses voitures <laughs> ah ça flex hein. Le thriller a coûté plus cher que le budget du mois des salariés de Psyonic Studio. <tousse> Oh la vache, l'état de l'état du truc. La barre est haute au niveau des Putain, <laughs> la vache, l'état des trucs. Putain la vache. Putain, le budget. <rire> <rire> Oh mon dieu la prod. <laughs> oh là là. Eh bah écoutez, bonne chance hein. Euh... Franchement, le trailer est impressionnant hein. euh... Vraiment. Très très impressionnant. Euh, trailer lol. J'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille scrim. On va m'attendre. Euh, je vais aller m'entraîner. Euh... Ouais, c'est ça. Plus de budget que pour cette année. Bah pareil. Oh <laughs> la vache, le trailer. Après s'ils font des partenariats avec les teams de F1, euh, le fric euh, ils vont en avoir quoi. Parce que ça brasse beaucoup de pognon ce truc là. Hein. Mais franchement c'est cool hein. Franchement c'est cool hein. Vraiment euh, Très impressionnant le, le trailer. Alors pour l'équipe, bah voilà, on peut pas savoir ce que ça va donner. Euh, mais note sur 10, de quoi tu veux que je note quoi là le... le roster, j'en ai déjà parlé il y a de, là, de ça euh, quelques mois. Et c'est pour ça que c'est investi dans ce qu'il fait. voilà. Euh, c'est un, un bon coach. Il s'entend bien à Kitashi, donc très bien. Euh, Seiko, ça a été le meilleur joueur du monde quand il est arrivé sur la scène. Ensuite, pour moi, il a eu beaucoup de mal à s'exprimer chez BDS. Euh, même s'il a été champion du monde, il a été très, très au-dessus de ce qu'il est capable de faire. Pour moi, c'est un joueur qui a fait les deux dernières saisons à 30% de ses capacités. Euh, je déconne pas. Hein. Pour moi, Seiko l'année dernière, c'est 30% de son niveau. Voilà, Potentiel, j'entends. C'est le joueur avec le plus gros potentiel qui a le moins bien joué par rapport à son niveau réel euh, l'année dernière. Et euh, c'était le cas quand il est passé champion du monde. Il, est, il a été champion du monde avec 30% de son vrai niveau. C'est mon avis. Euh, il, vaut que ce que, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Euh, il n'arrive plus. Il n'a pas réussi à, à, à s'exprimer du tout chez BDS. Ça ne les a pas empêchés de gagner les championnats du monde. Mais pour moi, encore une fois, c'était leur journée. C'était mérité. C'est le dieu de Rocket League qui leur a accordé le. Le championnat du monde et je trouve que c'est une très bonne chose, mais ça n'empêche que l'équipe, moi j'étais même surpris qu'elle aille en 8 honnêtement. Euh... Et euh, j'ai très envie de voir ce qu'il va faire. Chez Nogem, pour moi, c'est un peu le point d'interrogation. Si on a Seiko à 80%, l'équipe va être monstrueuse. Juicy, c'est un joueur qui monte, qui a fait de très belles choses, mais euh, j'ai du mal encore à le voir. Il est, à mon avis, il n'est pas à son plein potentiel aussi. Euh, Itachi, c'est un mec ultra solide, donc c'est très bien avec ces deux joueurs. C'est un roster dont on peut pas trop prévoir le niveau. Si Seiko sort Seiko, Seiko Prime, honnêtement le roster va être insane. Je suis assez confiant sur Itachi, c'est vraiment un excellent joueur très aigu, y a aucun mal. Euh... Juicy euh, il est en phase montante. À la fin, c'était un des meilleurs joueurs de sa team, alors que c'était le moins bon au début. Il nous fait un petit peu une trajectoire similaire à celle d'Ato je trouve, Juicy avoir à confirmer. Euh, S'il arrive à s'exprimer pleinement. Jouissi ça peut être un excellent joueur. Donc il y a beaucoup d'inconnus pour moi. Le, le seul dont on est sûr, sûr c'est... C'est et Itachi. Les deux autres pour moi, il y a un gros point d'interrogation. Donc euh, je pense qu'en l'état, je serais surpris. C'est pas impossible. Mais je serais surpris que ce roster batte... Carmine euh, Corp et euh, Vitality. Ça me surprendrait. Mais en termes de potentiel, c'est pas impossible. Voilà. C'est ma vision de ce roster. Pour moi, je les vois top 6, top 4. Pour moi c'est une équipe qui va faire top 4, encore une fois c'est des prédictions, on ne sait pas et euh, l'équipe peut complètement faire des top 1, c'est complètement possible, surtout vu l'accompagnement qu'ils ont l'air d'avoir ces gentlemen et le budget qu'il y a, à mon avis euh, ils vont pouvoir euh, peut-être bien s'exprimer, je sais pas, ça va dépendre, c'est pas forcément une histoire d'argent. Hein. Mais dans un, dans un bon environnement et tout, si les joueurs sont plus à l'aise et qui, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils peuvent complètement faire des top 1. Je ne dis pas le contraire. Mais là, pour moi, je les vois complètement perdre régulièrement en demi-finale, soit contre Vita, soit contre Cassé. Voilà. Euh... Ouais, Eversax, bah, il joue moins maintenant qu'il coach. Du coup, bah, il a plus de mal à jouer. Du coup, il arrête. Euh... Je connais. Je connais, je connais. Moi aussi je coach beaucoup et je joue pas beaucoup. Je, je, je suis passé par là, mais moi c'était il y a de nombreuses années. <laughs> voilà. Euh, du coup, euh, je dois me barrer. Je vous fais des bisous. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on verra ce que ça donnera. Tant qu'on n'a pas vu le roster, de toute façon on ne peut pas savoir quel va être son niveau. On verra, on verra quand les réalises ont commencé. Les premiers matchs, ce que ça donne. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Euh, oui, ils peuvent surprendre complètement, bien sûr. J'ai dit qu'ils pouvaient, oui, ce que j'ai dit, ils peuvent faire top 1, mais ça m'étonnerait. Pour moi, ils vont me bloquer régulièrement en top 4. Voilà, c'est ma prédiction. Une prédiction, c'est Madame Irma, c'est des devinettes. On peut pas savoir, on les a jamais vu jouer. Donc, euh, tant qu'on les a pas vus jouer, on aura des prédictions quand même bien plus précises quand on sera dans la moitié de la saison RLCS. Avant même que la saison commence, toutes les prédictions sont complètement du pif. Ceux qui vont tomber juste vont flex en mode on est un expert, mais en fait, pas du tout, c'est de la chance. Ceux qui sont passés à côté vont se faire traiter d'analyse de merde, alors qu'en fait, tout ça, c'est du random. Voilà. Du coup, je vous fais des bisous. Euh, je vais scrim. Salut Ciao, ciao À lundi Je sais pas quand. J'ai plein de trucs à faire off-live. On se tient au courant. Euh, Peut-être la chaîne secondaire Switch.